Coucou tout le monde. Un spécial coucou à Magina Purici. Air Max, la page Serge en Ango TV a, on va dire, de ce que je connais jusqu'ici, cinq modérateurs. Et les cinq modérateurs peuvent intervenir sur cette page et diffuser des directs. À cet effet, j'ai déjà diffusé plusieurs directs. C'est juste que, contrairement à Serge, lui, il est plutôt libre ces jours-ci et moi pas. Mais sinon, moi également, je fais des directs, mais mes directs sont plutôt, comment dire, à une fréquence. En fait, je ne fais des directs que quand j'ai quelque chose à dire. Comme là, j'ai quelque chose à dire et non, j'ai vraiment à dire aujourd'hui. J'espère ne pas m'être long, parce que je suis fatiguée, je sors du boulot. Une sale tête. Donc, oui. Serge, il fait plus ses directs sur cette page que les cinq modérateurs. Mais on est cinq en fait sur cette page. Donc, je comprends que tu es nouveau peut-être, mais ceux qui sont là depuis, qui sont habitués à la page, sont au courant. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle. Je m'appelle Stella. Mon profil, c'est Stella-30 Bianca. Et j'interviens également dans le même cadre que Serge, généralement sur la politique au Cameroun. On ne s'exprime pas de la même manière, c'est sûr. Il est beaucoup plus brut que moi. Mais on a les mêmes idées, même créneau d'idées. Et là, depuis hier, on va dire depuis une semaine. Mais franchement, depuis hier, j'avais énormément, mais énormément à dire par rapport à des directs que j'ai vus. Et on va dire qu'à la base, tout allait bien et après, j'ai été choquée. Comme mes collègues y disent, j'ai été choquée. Et donc là, il faudrait quand même qu'on remette quelques pendules à l'heure. Alors, Estelle Julie au programme. Sincèrement, c'est une réponse à Marlène Mvoutou, la dame qui exige qu'on l'appelle docteur. Déjà, je vais l'appeler docteur parce que, faut, comme je dis, faut pas non plus. Moi, je suis pas de mauvaise foi, d'accord? Elle a fait des études, elle a payé. Bon, après, bon. Je vais dire quelque chose. Nous sommes généralement de mauvaise foi, de bonne foi. Mais il se trouve qu'en face, on a des personnes qui ne sont pas de bonne foi. Et qui exigent que, voilà, j'ai un diplôme, voilà, et appelez-moi docteur, d'accord? Jusqu'à preuve de contraire, sur le direct de Serge, elle a présenté une licence. Et une licence, c'est pas un doctorat. Après, je n'ai pas cherché à savoir si effectivement elle avait un docteur ou un doctorat ou pas. Parce que faut pas se mentir, moi personnellement, j'en ai rien à cirer et ça ne me sert à rien. Par contre, il se trouve qu'aujourd'hui, une dame à qui quelquefois j'ai donné raison sur certains points, parce que oui, je lui ai donné raison sur certains points, aujourd'hui, je trouve sur des réponses d'elle, j'hallucinais, qui peut se permettre de parier sur l'avenir ou les études d'une personne. C'est-à-dire, tu ne connais pas une personne, ni d'Adam, ni d'Ève. Et puis, du jour au lendemain, tu te lèves, tu prends un pari, tu dis, je parie 1500 euros que tu n'as pas fait d'école ou tu n'as pas fait l'école que tu dis avoir fait. Personne n'a parié, en fait, que cette dame avait eu un doctorat, je ne sais où, ou pas. Parce que, clairement, on n'a pas besoin, c'est pas une information qui nous incombe, on s'en fout complètement. Et non seulement on s'en fout, mais comment dire, on n'avait pas de raison de le chercher, de chercher à savoir en fait si elle avait effectivement le doctorat ou pas. Déjà, moi, j'ai estimé que tous ceux qui venaient dire que ouais, tu as acheté ton diplôme et tout ça, moi, j'estimais que c'était des gens en fait de mauvaise foi parce que voilà. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, moi, je suis scandalisée de voir que
elle fait partie malheureusement de ces personnes qui peuvent également se lever et dire que oui, toi aussi, tu as un faux diplôme ou alors tu as un usurpateur. Et oui, je peux vous dire que ça m'a choquée. Et bon, donc aujourd'hui, pour moi, ma vidéo, c'est pas un clash. Le clash, c'est après. Mon direct, il sera en deux temps. C'est-à-dire, il y aura la partie pédagogique et bien évidemment, il y aura la partie clash. La partie pédagogique, je vais prendre tout mon temps. Mais j'espère juste que mon direct ne sera pas trop long. Mais franchement, il y a des choses qu'on n'a pas besoin d'être un docteur pour comprendre. Il y a des choses que tu n'as pas besoin d'un doctorat ou, je sais pas trop, du plus haut diplôme, je sais pas moi, reconnu, ce que vous voulez, pour comprendre. Je suis désolée, ça ne se passe pas comme ça. En outre, quand on voit malheureusement les docteurs qu'on a actuellement dans la société camerounaise, on a vraiment tendance à se poser des questions. Je suis désolée. Et un docteur qui te brandit son diplôme de doctorat réfléchit autant qu'un indigène. Et quand je parle d'indigène, je parle pas du villageois qui sait mâcher ses herbes et se guérir. Parce que je parle pas de cet indigène-là, non. Je parle pas de l'indigène qui va mâcher, c'est pas moi, le mettre sur sa blessure pour guérir une plaie. Non, c'est pas de cet indigène-là que je parle. Je parle de l'abruti complètement ébouillanté de la cervelle, mais complètement à la ramasse. T'as de la peine à croire, en fait, qu'il vit dans un monde, genre, t'as de la peine à croire que toi, t'es au 21e siècle. Et le mec, il est au 21e siècle avec toi, quoi. T'as plus l'impression que pendant que toi, t'es au 21e siècle, lui, il est resté au 14e siècle. Et donc là, oui, il y a des choses à dire. Donc, pour ne pas me mêler les pinceaux, on va y aller crescendo, tout azimut. Et on verra bien qui finalement est l'intellectuel ou pas. Bien. Donc déjà, elle a fait un direct hier. Et je vous prie, mais sincèrement, je vous prie, si c'est possible, de prendre un stylo et un papier. Parce qu'après, quand je vais relever les incohérences, il faudrait pas dire que soit on va bien, parce que je sais très bien qu'à la suite de ce direct, il y a des gens qui vont faire d'autres directs pour dire, voilà, elle sait pas de quoi elle parle, c'est une étudiante, elle a pas de doctorat et tout ça. Je sais très bien, mais ça, c'est pas le problème. On s'en fout, c'est pas ça qui compte, on s'en fout. Mais je vous prie avec moi d'écouter attentivement et on verra bien qui finalement est indigène et qui est intellectuel, qui est usurpateur et qui ne l'est pas. D'accord? Donc, voilà, on va commencer. Chers amis, et la récurrence des audios, j'ai décidé de ne pas écrire parce que j'ai compris que ceux qui suivent Monsieur Anango ne savent pas lire ou des fois quand ils lisent, ils ne comprennent pas bien la langue française. Déjà, à ce niveau-ci, il faut croire que on n'est pas les seuls, en fait, à suivre Monsieur Anango. Et apparemment, on n'est pas non plus les seuls à ne pas comprendre, à comprendre la langue française de travers. Et notez bien mon commentaire en PS, parce que vous allez comprendre pourquoi je vais revenir là-dessus, d'accord? On continue. Donc, je préfère utiliser le langage parlé pour que ces personnes atteintes de grégarisme moutonnier puissent comprendre un peu le fond de ma pensée et qu'elles arrêtent d'aller m'insulter dans les forums du village. Donc, hier, on a beaucoup échangé avec Monsieur Anango sur le rôle d'un intellectuel. Comme je n'avais pas de temps de lui expliquer, j'ai fait une capture de la définition du Larousse, que le Larousse fait de cette notion de. D'accord, avant qu'on continue, je vous prie également de prêter attention à la définition du terme intellectuel qu'elle va donner parce que c'est très important. Ok, si on n'entend pas la vidéo, je vais rajouter le volume, d'accord? J'ai rajouté le volume. Voilà. Devrait être bon là. Donc, je vous prie de prêter attention à la définition du terme intellectuel qu'elle va donner, d'accord? Et vous allez comprendre pourquoi je vous demande de prêter attention.
On y va. Intellectuelle. Alors, J'espère que le Laroche volume dit il est qu'un assez haut. intellectuel est une personne dont l'activité repose sur l'exercice de l'esprit, c'est-à-dire que c'est une personne qui travaille avec sa tête, qui s'engage dans la sphère publique. C'est-à-dire que c'est une personne qui va dans les médias, dans les journaux, pour donner son point de vue sur. Donc, elle a dit un intellectuel, c'est une personne qui travaille avec sa tête, qui va dans les médias, les journaux, pour donner son point de vue. Jusqu'ici, on va faire un tableau. On va mettre Serge et on va mettre le mot intellectuel. Vous allez me dire si effectivement il ne correspond pas. D'accord? Elle a dit personne qui utilise sa tête et qui va dans les médias et les journaux. On continue. Tous les sujets, que ce soit sur la prostitution, sur la politique, sur la démocratie. C'est une personne également qui s'attarde sur tous les sujets. Elle vient de dire sur la prostitution, la politique et la démocratie. Jusqu'ici, Serge rentre encore dans les qualificatifs du terme intellectuel. OK? On continue. Et surtout, l'intellectuel ne se limite pas à dire, voilà, je vais parler que des sujets scientifiques. L'intellectuel ne se limite pas à dire qu'il ne va parler que des sujets scientifiques. Donc jusqu'ici encore, Serge, il est dans la définition du terme intellectuel, c'est-à-dire personne qui utilise sa tête, personne qui cherche à faire connaître son point de vue par les moyens de journaux, médias, tout ce que vous voulez. Quand on parle de journaux ici ou médias, Facebook est un moyen de communication, donc un média. Personne qui s'attarde sur tous les sujets de la société, prostitution politique et ce qu'elle, bref, prostitution politique, économie, ce qu'elle a cité, et qui ne s'attarde pas que sur les sujets scientifiques. Donc jusqu'ici, il a tout bon. On continue. L'intellectuel parle de tout. Donc, Elle c'est a ce que dit dit le Larousse. ce que dit le Larousse, c'est que l'intellectuel parle de tout. J'aimerais bien, mais franchement, j'aimerais bien que vous faites attention avec moi parce que je mets l'accent dessus et vous allez comprendre pourquoi. Donc, vous prenez, si c'est possible, vous prenez un stylo, vous notez avec moi parce que la fin sera risible. On continue. Et puis, le Larousse dit aussi que l'intellectuel est là pour défendre des valeurs. Donc, des fois, quand. L'intellectuel est là pour défendre des valeurs. Quand on parle de valeurs, on connaît tous ce que c'est que les valeurs. On a les valeurs de la dignité et tout ce qui va avec. Donc, dans le cadre de Serge, par exemple, il y a une fille qui s'est faite agresser, violer. Quand je dis violer, quand on prend le piment pour mettre dans tes fesses, pour moi, c'est un viol. C'est un viol de ta personne. C'est un viol de ton corps. Et Serge s'est retrouvé dans ce combat-là à défendre cette fille-là, à investir de son argent pour retrouver cette fille, pour voir comment il pouvait aider cette fille à continuer dans ses études. Et bien sûr, là, les posts, ils sont sur son mur, hein. Je n'invente pas. En gros, le travail que j'ai fait pour faire ce direct, tout le monde peut le faire. Déjà, en préambule, dans le post, dans l'annonce de mon post, il y a déjà un lien que j'ai balancé qui parle de Serge en 2015. Je ne le connaissais même pas. C'est-à-dire, je ne vous apprends pas Serge. Serge, il peut faire 1000 posts par jour. Donc, imaginez, moi, je me suis tapé déjà tous ces 50 et je suis allée chercher le post en question qui parlait de son arrivée chez General Electric. On va y revenir, bien sûr. Donc, si quelqu'un veut véritablement avoir des informations, il faudrait qu'il sache où chercher et comment chercher. Donc là, bref, on continue. On défend des valeurs, ça peut ne pas. On peut heurter certaines sensibilités, on peut heurter certaines convictions. Un intellectuel peut défendre des valeurs, bien évidemment, tout en heurtant des sensibilités et des convictions. Je crois quand même que quand nous tous, on se met devant notre téléphone pour suivre Serge Ngo, et qu'on l'entend dire le gros cuit de vos matières aux gens, eh bien, je pense qu'il y a bon nombre de sensibilités qui sont choquées. Ou alors, quand il dit qu'il ne croit pas en Dieu ou en la sorcellerie et tout ce que vous voulez et qu'il le défend, je crois qu'il y a bon nombre de convictions également qui sont heurtées. Donc, jusqu'ici, dans la définition du terme intellectuel, Serge, il a tout bon. On continue. Villageoise, et voilà. Et on dit qu'un intellectuel est une personne qui n'assume généralement pas de responsabilité directe dans les affaires pratiques.
Un intellectuel est une personne qui n'assume pas des responsabilités directes dans pratique. En gros, quand il fait ses pauses pour dénoncer la saleté du Cameroun, les abrutis qui viennent lui demander, mais qu'est-ce que toi-même tu as fait pour le Cameroun? Ou alors toi également va nettoyer le Cameroun? Bah, ils ont tout faux. Si je me réfère à ce que Marlène dit, bah, ils ont tout faux. Ils n'ont pas à lui poser ce type de questions. On continue. Ça veut dire que vous n'allez pas me dire, ah, parce que tu n'as pas balayé les rues à Yaoundé, est-ce que tu es intellectuel? Est-ce que parce Eh que tu ben, n'as dis pas donc, ça enlevé tombe les poubelles, tu n'es bien. pas intellectuel? Tu n'as pas construit un pont, tu n'es pas intellectuel? Ah Tu n'as pas ouais. ouvert une boutique de caleçon, tu n'es pas intellectuel? Ce n'est pas le rôle de l'intellectuel. En tout cas, Voilà. l'intellectuel. Donc, ce n'est pas le rôle de Serge de balayer les routes de Yaoundé ou de vider les poubelles d'Isakam si pour autant il fait mention de la saleté du Cameroun dans ses postes. En gros, c'est ce que Marlène dit. Donc là, elle a donné la définition du terme intellectuel. Je suis désolée, jusqu'ici, Serge remplit tous les critères. On continue. C'est généralement quelqu'un qui n'a pas de responsabilité dans les affaires pratiques. Voilà. Et on parle, le plus important ici, ils disent qu'un intellectuel, c'est quelqu'un qui dispose d'une forme d'autorité. Et c'est là. Un intellectuel, c'est quelqu'un qui dispose d'une forme d'autorité. On continue. Là que mon point commence, parce que pour avoir une forme d'autorité, qu'est-ce qui vous octroie cette autorité-là? C'est soit un diplôme, soit un parcours, une expérience qui force l'autorité. Et en... Donc, qu'est-ce qui vous octroie l'autorité, soit le diplôme, soit un parcours qui force ou une expérience qui force l'autorité? Bon, si on veut parler de parcours, on parle quand même de quelqu'un qui est sorti de nulle part, qui vivait au fin fond de la carrière ou de Foumbot ou de ce que vous voulez, et qui aujourd'hui, après un parcours qui n'a sûrement pas été des plus tendres, arrive à l'étranger, réussit à se faire, à aider ses frères. Aujourd'hui, quelqu'un à la, je vais dire, le Camerounais lambda qui était son père avec un salaire de 115 000 et 6 enfants. Aujourd'hui, si 5 de ses enfants sont ingénieurs, si c'est pas ça qu'on appelle réussite, ben je sais pas ce que vous, je sais pas comment vous le qualifierez. Quelqu'un qui sort de je ne sais de nulle part, d'une couche clairement, ou si on veut s'adapter à la logique, c'est-à-dire la logique de la société actuelle, il n'avait pas le droit à, je n'avais, il n'avait pas le droit à, comment dire, il n'avait pas droit de citer au milieu des grands, entre guillemets. Donc là, on parle de quelqu'un qui n'était rien et qui a réussi à se forger son parcours tout seul, sans l'aide de personne, et qui finit ingénieur avec une famille et un bon salaire et une famille qui a clairement réussi. Donc, on continue. Là, je dis que quand on a eu l'opportunité de devenir docteur ou avoir un autre titre académique, professeur agrégé, on a l'autorité pour dire certaines choses et que certaines et qui devraient forcer les autres à écouter. Voilà. Donc là, clairement, je pense très bien qu'elle a donné la définition d'intellectuel parce qu'elle essayait de vendre sa cause. Et encore, là, on ne va pas dire que on va pas contredire Marlène là-dessus, je suis désolée. Elle veut qu'on l'appelle docteur. Oui, c'est pas de souci. Moi, je vais t'appeler docteur, chère Marlène et Voumtoum. Je vais t'appeler docteur parce que tu as payé tes frais de scolarité pour ça. Donc, pour moi, je fais partie, comme je disais, des personnes qui estime qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Si elle a soutenu une thèse pour être docteur, il n'y a pas de souci, appelez-la docteur. Si c'est docteur en, je sais pas moi, en droit ou en ce qu'elle veut, appelez-la comme telle, il n'y a pas de souci, c'est pas ça le problème. Si c'est ça qui peut flatter son ego démesuré, à partir du moment, j'estime que si elle réclame qu'on l'appelle docteur, on s'en fout, appelez-la docteur, c'est bon, c'est pour... En fait, pour moi, ça ne me pose absolument aucun problème. Si elle avait les caractéristiques pour s'appeler sa seigneurie, je l'appellerais sa seigneurie, on s'en fout. En fait, c'est juste que les Camerounais ont un problème avec le titre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où... il faut que ce soit nominatif. C'est ça le problème des Camerounais. Sinon, pourquoi est-ce que ça te choquerait, je sais pas moi, tu l'aurais en travers de la gorge. Et si quelqu'un te demande, appelle-moi docteur parce qu'il a fait des études comme telle, ben je m'en fous, moi je t'appelle docteur. Si tu as besoin de ça et que, je sais pas moi, ça te donne la vie, y a pas de souci, moi je t'appelle docteur. Parce que tu es parti à l'école pour ça, faut pas non plus mentir, arrêter parfois de, je sais pas moi, de vouloir renier
les tardes, je sais pas, renier les qualités de quelqu'un, même comme on ne va pas lui reconnaître cette qualité dans la suite du direct. Mais si elle estime qu'on doit l'appeler docteur parce qu'elle est partie à l'école, ben il n'y a pas de souci, on va l'appeler comme tel. Docteur Malène, Kadine Marlène Mvumtu. Il n'y a pas de souci, on va l'appeler comme tel, d'accord? Ok. Et en plus, moi je ne vais pas venir faire des affirmations comme quoi elle n'a pas de diplôme, ou alors elle n'a pas son doctorat, ou alors elle a payé ses... J'étais pas là. Même si c'est vrai et qu'elle a payé un diplôme, dans... à partir du moment où elle le paye, dans ce cas, le diplôme lui appartient. Du coup, elle est quoi? Elle est docteur. Si vous vouliez aussi être docteur, ben, il fallait acheter votre diplôme. Donc, de ce côté-là, franchement, moi, je m'en fous complètement. À partir du moment où elle estime... Je sais pas, moi, je vais pas me lever le matin et commencer à dire « Oui, tu n'es pas docteur parce que tu as payé ton diplôme. » Déjà, je la connais pas. Je connais pas son parcours. Je vois pas vraiment sur quoi je vais me lever pour me baser sur de telles affirmations. Moi, je ne fais pas des affirmations fallacieuses sur les gens quand je n'en sais strictement rien. Je me réserve. Mais apparemment, c'est pas son cas. Pourtant, elle dit être docteur, d'accord? On continue. Donc, quand j'ai dit ceci, je veux parler de ceux qui estiment que le fait de parler avec arrogance enlève en nous notre qualité d'intellectuel, pas du tout. Eh bien, je suis d'accord avec toi. Le fait de parler avec arrogance n'enlève en rien la qualité d'intellectuel. Et le fait de dire également... le fait que Serge également fasse ses directs et dise aux Camerounais qu'ils sont des abrutis ou des cons, ou alors qu'ils te traitent d'idiote, ou alors qu'ils disent aux Camerounais le gros quid de vos mamans, ça n'enlève en rien sa qualité d'ingénieur. Ou jusqu'ici, selon les termes de, selon la définition du thème intellectuel que tu as donné, ça n'enlève en rien sa qualité d'intellectuel. Voilà, on continue. Ça veut dire que vous n'appartenez pas à cette sœur-là. Quand vous écoutez Jean-Paul Sartre, quand il parlait, vous écoutez Simone de Beauvoir. Bon, là, elle va citer d'hommes de lettres. Les Jean-Paul Sartre, c'était des hommes de lettres, c'était des grands philosophes. Donc, elle va citer, elle va faire plein de citations. Et après, je vous prie également de prêter très attention à ce qu'elle va dire. Parce qu'après, je vais tirer la nuance de ce qu'elle... la nuance. Il y a une nuance qu'elle elle va... En fait, elle va commettre une erreur. On y va. Voir, elle ne parlait pas comme je sais pas qui, comme Brigitte Bardot. Non, pas du tout. Simone de Beauvoir, c'est pas Brigitte Bardot. Quand on parle de Simone de Beauvoir, on parle pas de Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, elle était sensuelle, c'était une actrice très sexy, très courue des hommes, qui a fait sa vie. Mais quand on parle de Brigitte Bardot, on ne parle pas de Simone de Beauvoir, parce que Simone de Beauvoir a eu autorité en tant que professeur agrégé de philosophie de dire certaines choses pertinentes sur la femme, sur le rôle de la femme, en disant que la femme n'est pas un objet, alors que Brigitte Bardot était une femme objet. Donc, c'est pas parce que Simone de Beauvoir dit que Brigitte Bardot est une femme objet que Simone de Beauvoir est jalouse de Brigitte Bardot. Quand j'ai dit ceci, je dis aussi que des positions intellectuelles pouvaient être contraires aux positions morales. Quand Hegel parle des Noirs en termes de considère que les Noirs sont une sous-race. Il faut qu'un autre philosophe vienne lui dire que vous n'avez pas raison sur tel point pour avoir le point de vue que vous avez. C'est un autre philosophe qui vient le contredire. Ce n'est pas un maçon, un ingénieur, je ne sais pas trop quoi, qui vient dire à Hegel que non, vous n'avez pas raison. Personne ne peut considérer ce que dit cet ingénieur-là parce qu'il n'a pas l'autorité pour contredire ce que dit Hegel. Il faut un autre philosophe qui a fait ses preuves pour contredire Hegel. Et c'est ce désordre qui existe dans la sphère publique où chacun veut... tu restes devant ton téléphone, tu parles de Onanguini comme si vous avez fait les bancs ensemble, tu parles de Malène et Voutou comme si c'est ta camarade de classe. Non, pas du tout. Il y a une autorité dans la sphère de la connaissance. Quand un agrégé parle, quand un docteur parle, les autres se taisent et ces autres écoutent. C'est pas pour autant qu'on vous interdit de réagir, mais on estime simplement que vous n'avez pas encore autorité pour dire certaines choses. Quand je parle de ça... Je parle aussi de Alain Camus, le son de la voix d'Alain Camus, pour ceux qui ont souvent écouté Alain Camus. Albert Camus n'a pas une très belle voix. Quand il parle, à la limite, il bégayait. Mais ce n'est pas pour autant que la pertinence de tout ce qu'il a écrit, la pertinence de ce qu'il disait, a été mise en cause.
On peut voir un autre philosophe qui opère dans la sphère publique en France, qu'on appelle Alain Finkielkraut. Je vous prie juste de prêter attention au titre qu'elle donne. Elle parle de philosophe. Jusqu'ici, elle n'a parlé que de philosophe. D'accord? Quand il s'exprime, il ne dit pas toujours les choses gentilles vis-à-vis des Noirs, mais ce n'est pas pour autant que ce qu'il dit n'est pas pertinent. Donc, quand j'ai dit ça, c'est pour répondre à monsieur Anango qui dit quel est le rôle d'un intellectuel. Un intellectuel est là simplement pour exercer son esprit, pour donner son avis dans l'espace public. Et il n'est pas là pour construire les ponts, pour dire, voilà, avec vos diplômes, vous faites quoi? Non, pas du tout. Dois-je te rappeler qu'il le Moi, je n'ai pas encore écrit, je n'écris pas de livre pour le moment parce que je m'étais d'abord engagée dans la sphère publique, politique, sportive, et ça m'a pris beaucoup de temps. Et le domaine dans lequel je me suis spécialisée et là où j'ai autorité, c'est dans le domaine du marketing. Et le marketing est réservé aux sociétés occidentales développées. Pourquoi? Parce que le marketing pousse les gens à consommer plus. C'est-à-dire que le marketing s'adresse aux gens qui ont déjà la capacité de consommer pour les inciter à consommer plus. Or, en Afrique, les gens ont encore du mal à assumer les besoins essentiels. Je ne sais pas pourquoi je vais écrire des ouvrages pour les pousser à consommer un peu plus. Donc, c'est pour cela que j'estime que pour le moment, et encore, je vais écrire des livres. Les Noirs ne lisent pas des livres, ce n'est pas un cliché, c'est la vérité. La preuve, ces ingénieurs qui viennent, qui n'ont aucune référence intellectuelle, qui n'ont pas lu des livres, autant de livres que moi j'aurais pu lire pour avoir les convictions intellectuelles que j'ai aujourd'hui, c'est la preuve que les Noirs ne lisent pas les livres. Vous me disiez... Bon, on va mettre pause là et puis on va expliquer un certain nombre de choses. Quand elle a donné, je vous avais demandé de mettre un apostrophe sur la définition du mot intellectuel. Donc, quand elle a donné la définition du mot intellectuel selon le Larousse, le Larousse n'a mentionné nulle part que cette personne-là qui se doit, par exemple, de s'attarder sur les sujets de la société tels que la prostitution, la politique ou l'économie. Cette personne-là qui utilise son cerveau pour et qui n'a pas obligation de faire pratique de ce qu'il dit, le Larousse n'a précisé nulle part que cette personne-là devait être un philosophe ou un homme de lettres. D'accord? Le Larousse a donné une définition d'un intellectuel. Ce n'est pas marqué que l'intellectuel doit avoir fait des grandes études en philosophe. Je suis désolée. En gros, quelqu'un qui a fait des études en ingénierie, quelqu'un qui a fait des études en médecine, quelqu'un qui a fait des études, je ne sais pas moi, en calligraphie ou en tout ce qu'on peut apprendre à l'école, en géographie, en sciences de la vie, de la terre, tout ce que vous voulez. À partir du moment où il utilise son cerveau, à partir du moment où il donne son point de vue sur les tares sociétales, sur la prostitution, la politique et l'économie, juste pour ne reprendre que ces termes, en réalité, cette personne est un intellectuel. Je suis désolée. Donc rien que là, il y a déjà une contradiction vivante. En fait, je vous dis, il n'y a pas besoin d'insulter, en fait, Dr. Kadi Malen et Mvoutou depuis tout ce que vous voulez pour la contredire. Il suffit juste de l'écouter en 10 minutes. Elle a le temps de dire quelque chose en amont et de dire le contraire en aval. Terminé. C'est une contradiction vivante. Il n'y a pas besoin de l'insulter pour ça ou de la traiter de je ne sais. Non, il n'y en a pas besoin. Ça, on va le faire après. Ça, on va le faire après, d'accord? Le Larousse, selon les termes qu'elle a donnés, donne une définition du mot intellectuel. Et ce mot intellectuel-là n'a pas précisé que, entre parenthèses, la personne doit être obligatoirement un philosophe. Elle a cité des références comme Albert Camus et tous ces grands hommes philosophes, tous ces grands hommes de lettres-là. Comme en citation et tout ce que vous voulez, mais c'est des arguments, c'est des exemples, il n'y a pas de souci. Mais ça ne modifie en rien la définition du mot intellectuel si on veut se référer à la définition qu'elle a donnée au préalable sortie du Larousse. Donc, ce n'est pas mentionné quelque part qu'un intellectuel doit être un homme de lettres ou un philosophe.
Elle a bien cité des hommes, des intellectuels ou des grands philosophes, oui, mais ce n'est pas mentionné que à partir du moment où tu fais des études en histoire, géographie, ou alors où tu as un cycle d'ingénieur, ou tu es traductrice, ou tu fais médecine, ou alors tu fais commerce, tout ce que vous voulez, tout ce qu'on apprend à l'école, ça ne dit à partir du moment où tu remplis les critères de la définition du Larousse, comme quoi tu utilise ta cervelle, comme quoi tu t'attardes sur les sujets sociétals, c'est-à-dire prostitution politique, économique, juste pour la réciter. En gros, tu es un intellectuel. Donc, quand elle vient pour insulter, parce que pour moi c'est de l'insulte, pour rabaisser, parce que pour moi c'est rabais, elle estime que oui, elle est docteur, et là oui, on va pas contredire son titre, et parce qu'elle est docteur, elle a le pouvoir de dire ce qu'elle veut, nanani et tout ça, et la qualité, oui, on va pas lui retirer ça. Mais ça ne lui donne pas, je suis désolée, qualité à renier la qualité d'intellectuel en quelqu'un qui remplit tous les critères que le Larousse a donné en tant que tel. C'est-à-dire que si le Larousse dit que, selon la définition du terme intellectuel, Serge en est un, et on a cité, et j'ai cité tous les exemples, je suis désolée, peu importe ce qu'elle va dire, pour dire que, ouais, des ingénieurs sortis de nulle part, nanani et tout ça, c'est juste de la mauvaise foi. C'est juste de la mauvaise foi. Et donc, encore une fois, elle se fourvoie, mais complètement. C'est-à-dire, tu peux pas dire quelque chose pour essayer de défendre ton point de vue. Et c'est cette même chose-là, en fait, qu'on retourne contre toi. Je suis désolée, ça vaut pas la peine. L'argument sert à défendre ton point de vue. Ça ne sert pas à ce que l'adversaire en face de toi récupère ton argument pour l'utiliser contre toi. Je suis désolée. D'accord? Voilà. On continue. Pas les livres, et ça peut souvent vous jouer des tours, comme on est en train de voir. Un intellectuel n'est pas là pour construire des ponts, pour construire des immeubles, pour ouvrir des boutiques. Moi, je ne peux pas dire que je peux ouvrir une boutique de caleçons, parce que j'estime que la femme camerounaise, si je veux vendre des caleçons de marque, la femme camerounaise n'a pas encore l'autonomie financière pour s'offrir un ensemble Simone Perel ou un ensemble Obad. C'est des choses qui coûtent Chantal Thomas, l'ensemble Chantal Thomas, c'est 100 000. Je n'ai pas envie de pousser ces femmes à la prostitution, et ce qui me permet de faire le lien entre le rôle aussi, la place de la prostitution au Cameroun. La loi camerounaise, elle est claire, elle interdit la prostitution. Monsieur Anango dit que les femmes sont libres de faire de leur corps et ce qu'elles veulent, et c'est au nom de la liberté, il a appelé ça quoi, de la liberté individuelle, qui dit que les femmes ont le droit de faire de leur corps ce qu'elles veulent. Nous sommes d'accord avec vous. Mais la liberté n'est pas le libertinage. C'est pour ça que la loi existe, pour encadrer les libertés. On peut dire que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Déjà, oui. Je suis d'accord avec elle. La liberté n'est pas le libertinage. Mais encore une fois, comme je vous disais, on a déjà éclairci le premier apostrophe. Je vous ai demandé de mettre également un deuxième apostrophe sur quelque chose qu'elle a mentionné en début de sa vidéo, d'accord? Elle a dit que ceux qui suivent Serge Anango ne comprenaient pas le français. Il faut croire qu'apparemment, on n'est pas les seuls, parce que je crois que le docteur Kadi, Malène et Mvoutou, elle-même aussi, a des problèmes en compréhension de français, d'accord? Serge Anango n'a jamais encouragé la prostitution. Je suis désolée. C'est quand même quelqu'un qui a deux filles, qui a des sœurs. Il n'a jamais encouragé la prostitution. On se retrouve malheureusement dans des cas où on a des jeunes filles, malheureusement, dans un pays comme le nôtre. On va pas se mentir, on va pas se raconter des salades, docteur Marlène et Vumtou. Si vous avez eu un père ou une famille qui était prête à vous payer des études, à vous envoyer partout où vous voulez aller, mais c'est bien, on est content pour vous. Franchement, sauf que sur 23 millions de Camerounais, il y a combien de Camerounais qui sont des parents responsables? Il y a combien de jeunes qui commencent l'école et n'achèvent pas leur cursus scolaire? Ils sont combien? Il y a combien de jeunes filles, que ce soit dans la partie septentrionale du Cameroun ou alors du centre ou ce que vous voulez, qui commencent leur cursus et qui n'achèvent pas leur cursus scolaire et qui ne l'achèvent pas? À votre avis, c'est pourquoi? Moi, je suis un exemple vivant. Mon père a foutu le camp.
Il ne sait pas comment s'occuper d'un enfant. D'accord? Et je suis pas la seule. Il y a plein de gens comme ça dont les parents ont foutu le camp, ont laissé les responsabilités à d'autres personnes. À ces personnes-là qui ont le désir et l'envie de réussir, vous allez aller leur prêcher, rester à la maison pendant que ces enfants allaient à l'école. D'accord? Et ma petite sœur, elle n'avait que 2 ans. Elle n'avait que 2 ans, elle faisait pipi comme tout enfant de son âge à 2 ans. Et mon oncle en question branchait le fer à repasser et repassait ses fesses. À ça, à ce type d'enfant, vous allez expliquer quoi? Parce qu'il est bien beau de... Désolée, on a été coupé. Donc, je disais, à ces personnes-là, vous allez expliquer quoi? Jusqu'aujourd'hui, dans les sociétés camerounaises, on a des familles, quand la fille naît, on attend juste qu'elle ait 10 ans pour l'envoyer au marché, pour qu'elle aille commencer à vendre. Quand je dis 10 ans c'est trop. Au jour d'aujourd'hui, il suffit d'aller au marché, c'est pas moi, Bonamoussadi, la Douala ou Mokolo. Et vous allez voir des enfants qui n'ont même pas 10 ans, qui vendent déjà les arachides, le piment, la tomate, nanani, quoi. Vous allez expliquer quoi? Parce que, excusez-moi, franchement, je crois que le direct, si ça se coupe, on va revenir, d'accord? À ces enfants-là, on va expliquer quoi? On va expliquer quoi? Parce que c'est bien beau de venir condamner, se placer devant le direct et dire, ouais, la société camerounaise... c'est bien beau de se placer et dire que la société camerounaise n'a pas de figure, la société camerounaise ne fait rien pour empêcher que ce qu'elle n'admet pas arrête d'avoir lieu. D'accord? Quand des parents se retrouvent en train de fuir leurs responsabilités, jusqu'aujourd'hui dans les familles au Cameroun. Alors là, ça va être chaud de finir ce direct. Ça va être chaud. Bref. Jusqu'aujourd'hui dans les familles au Cameroun, on a des jeunes filles qui se font violer par leur oncle. J'ai une amie à moi, Minou Cristal, elle s'occupe de défendre la femme, les femmes battues, les femmes violées et tout ça. Il suffit de se rapprocher des centres qui s'occupent de la femme et tout ça pour comprendre en fait que la femme camerounaise est un véritable martyr dans la société. Martyr par les hommes de la société, martyr par la société elle-même. Alors, ce serait vraiment difficile de condamner une personne qui, par envie de réussir, se retrouve en train de vendre son corps. Moi, je suis désolée. Je ne suis pas, c'est pas pour autant qu'on est en train d'encourager la prostitution. Mais si les parents ne fuyaient pas les responsabilités, si le gouvernement essayait de faire quelque chose par rapport à ça, parce que ces centres-là ont besoin de subventions et tout ça, on va se passer du côté politique. Mais si chaque personne jouait son rôle dans la société, je ne pense pas qu'on aurait besoin de ça. Vous allez me dire qu'il y a des filles qui ont décidé de se prostituer parce qu'elles aiment la prostitution. Mais ça, c'est un autre cas de figure. C'est un autre cas de figure. Mais à partir du moment où Marlène, docteur Marlène, tu fais ta vidéo pour dire que Serge encourage la prostitution, toi également, tu as un problème de compréhension de la langue française. Je suis désolée. Je suis désolée. Parce que tu te permets de juger, mais juger de ton point de vue. Et ton point de vue n'est pas universel. Ton point de vue, il peut être contredit. Il peut être contredit. Quel soit le point de vue d'un docteur agrégeant, ce que tu veux, malheureusement, il peut être contredit de ce côté-là, d'accord? Voilà, donc on va continuer parce que là, j'ai que des signalements. Et c'est en cela que le législateur camerounais a dit que l'homosexualité est interdite au Cameroun. C'est bien votre corps, c'est votre derrière, mais la loi camerounaise vous dit que vous n'avez pas le droit de vous faire défoncer le derrière. C'est votre corps, vous êtes libre de faire, mais la loi camerounaise est claire, elle interdit l'homosexualité. J'ai envie également de continuer de rappeler que la loi camerounaise défend énormément de choses, hein. La loi camerounaise défend le vol, mais il y a nos prisons qui sont remplies par des voleurs. La loi camerounaise défend le vol, mais le gouvernement est rempli de voleurs. Il suffit de voir toutes les opérations à épervier qui se sont achevées. Il n'y a que des telle personne enfermée parce qu'il a volé 31 milliards, telle personne enfermée parce qu'elle a volé 45 milliards, ainsi de suite. La loi camerounaise interdit la corruption. La loi camerounaise interdit le favoritisme. La loi camerounaise interdit beaucoup de choses. Mais malheureusement, est-ce que la loi camerounaise est respectée alors? Alors, il faut arrêter de jouer les vierges effarouchées comme quoi la loi camerounaise est montée ou la loi camerounaise est descendue. Mais écoute, si la loi camerounaise était respectée, ça se saurait. Ça se saurait, la loi camerounaise, si elle était respectée. Mais là, elle ne l'est pas du tout.
D'accord? Donc, fais pas non plus comme si, parce qu'il y a une loi camerounaise, il y a tout le monde qui respecte. Il n'y a personne qui respecte ça. Je suis désolée. Donc, quand vous êtes au Cameroun, vous n'avez pas le droit de vous faire défoncer le derrière ou vous faire lécher l'entrejambe. C'est interdit. Quand j'ai dit cela, je dis aussi que on ne peut pas être du côté du roi et apprécier une jeune fille qui pousse un vieillard de 82 ans à lui donner 30 000 euros. En France, et selon la loi camerounaise, ça s'appelle de l'abus de faiblesse. Rien n'explique, même si vous avez un rapport sexuel, rien n'explique que vous exigiez à un vieillard de 82 ans de vous verser 20 millions de francs parce qu'il vous a caressé ou quoi que ce soit. Si ça avait été votre père, Serge Anango, vous deviez porter plainte pour abus de faiblesse. Quand vous avez dit, moi je ne veux pas citer cette autorité-là parce que je ne veux pas avancer les choses que je ne connais pas, je n'ai jamais cité de nom. La personne qui avait indiqué cette affaire avait écrit « Monsieur qui tu sais ?» Mais hier, dans votre bouche, je vous ai entendu prononcer le nom d'un ancien collaborateur du chef de l'État, en l'occurrence l'ancien directeur du cabinet civil de la présidence de la République, en disant que l'ancien directeur du cabinet civil de la présidence de la République a versé 20 millions de francs CFA à une jeune fille dont je tairai le nom ici parce que moi je respecte la loi, je prononce parce que je ne sais pas. Et vous dites que on devrait plutôt condamner le vieillard de 82 ans qui aurait pris de l'argent pour remettre à une jeune fille. Parce qu'elle elle a peut-être caressé son dos ou caressé son entrejambe. On dit non. En droit, ça s'appelle de l'abus de faiblesse. Mais écoutez les gars, on est 96 personnes là, d'accord? Donc là encore, elle vient d'exposer une situation. Mais le problème, comme je vous disais, la différence entre un intellectuel et un indigène au Cameroun, franchement, elle est minime comme ça. Elle est minime comme ça. Donc, si je comprends bien, parce que là, il y a une contradiction cachée derrière tout ce qu'elle a dit, elle s'en rend même pas compte. Limite, si moi, j'étais le monsieur en question, je lui aurais dit, docteur Malène, sincèrement, ferme ta bouche, quoi, ferme ta gueule. Ne me défends pas, c'est pas nécessaire, ferme ta gueule, d'accord? Parce que, elle vient de dire quoi? Que si un vieillard se fait, donne 20 millions à une fille parce qu'il veut entretenir des rapports avec cette fille, c'est de l'abus de faiblesse. Elle a quand même mentionné que le vieillard en question faisait partie du cabinet civil d'un pays qui nous gouverne. Qu'est-ce qu'un vieillard qui n'est pas capable de contrôler sa libido fait dans un cabinet où c'est lui qui prend les décisions pour gouverner 23 millions de personnes? Vous pouvez me répondre là? En gros, s'il n'est pas capable de contrôler sa libido, il n'est pas capable de contrôler un pays. Du coup, oui, il est pas, il n'a pas sa place là. Limite, si la jeune fille en question avait pris de l'argent à un vieillard, c'est-à-dire à la retraite qui était posée carrément chez lui, bah, j'aurais carrément compris. J'aurais même voté pour l'abus de faiblesse. Mais on parle quand même de quelqu'un qui est en plein exercice de ses fonctions. Quelqu'un qui est en plein exercice de fonctions est censé avoir toutes ses facultés mentales. Alors, de deux choses l'une, soit le Cameroun embauche des séniles, et là, il y a vraiment de quoi se poser des questions, soit c'est... Bref, elle a pas défendu le mec du tout. Elle ne l'a pas défendu du tout. Elle parle d'abus de faiblesse, mais est-ce qu'elle vient de se rendre compte qu'elle vient d'insulter un pays, quoi? En gros, les Camerounais sont gouvernés par des hommes séniles. C'est ce qu'elle a dit. Parce que si quelqu'un n'a pas le contrôle sur sa libido, comment est-ce qu'il aurait la capacité, la faculté de prendre des décisions importantes qui concernent un pays? Et elle vient de dire que le monsieur en question fait partie du cabinet civil, blablabla, bla, bla, du président de la République. Donc, en gros, c'est pas une petite tête, quoi, au pays. Donc, ça dit tout. Ça dit tout. Donc, soit le monsieur est à même d'utiliser toutes ses facultés mentales et mérite le poste qu'il a et donc n'a aucun problème et donc le droit n'a rien à voir là. Il a juste décidé de prendre l'argent déjà, 20 millions. Je suis pas sûre que c'est sorti de sa poche vu que le monsieur est cabinet, blablabla et tout ça. Donc, s'il a pris autant d'argent pour donner à une fille, pour juste avoir des rapports avec cette fille, mais il y a de quoi se poser des questions, Marlène, docteur Marlène.
Et là, c'est pas la faute de la fille et le droit. Excuse-moi. Si tu veux me parler d'abus de faiblesse, je veux bien comprendre que le monsieur, il ne travaille pas. Je veux bien comprendre qu'il est en retraite. Si la jeune fille va, je sais pas moi, dans un village ou ici en France, dans une province, et qu'elle tombe sur un retraité qui a arrêté de travailler, dont la femme est vieille, nanani, tout ça, le mec, il est tout croulant, et qu'elle lui dit, ouais, je veux que tu me vides ton compte en banque parce que, voilà, je me fais si je vais te faire rappeler à quel point tu étais jeune, t'es chaud bouillant et tout. Oui, là je vais accepter qu'il y a abus de faiblesse et tout ça, mais on parle quand même de monsieur. Tu me parles de vieillard, mais moi je te parle de monsieur qui serait cabinet civil, tous les titres que tu as cités là, c'est-à-dire qui travaille dans un grand cabinet et tout ça à côté du président de la République, c'est-à-dire qui est habilité à prendre des décisions pour la gouvernance ou la bonne marche de notre cher et beau pays, le Cameroun, qu'il n'est pas capable, tu viens d'enfoncer carrément le monsieur, quoi. Donc, en gros, tu dis qu'un mec qui prend autant de décisions, qui aurait autant d'importance, n'est pas capable de contrôler sa libido face à un cul de 23 ans. Comment est-ce qu'il pourrait parler face à des géants comme Macron ou Trump ou je sais pas moi? Mais écoutez les gars, franchement, je crois que Marlène vient de résoudre les problèmes du Cameroun rien que derrière cette phrase. Parce que parfois, quand vous dites que les blancs vous niquent vos races ou alors qu'ils exploitent vos richesses et tout ce que vous voulez, mais voilà la preuve. Puisque tous ces présidents-là viennent traiter avec des vieillards séniles qui sont pas capables de gérer leur libido, comment vous voulez qu'ils soient à même de bien vendre les matières première qu'on a sous nos sols? Pour? Excusez-moi, mais il y a de quoi se poser des questions là. Est-ce que c'est moi celle qui voit que c'est complètement tourné, je sais pas moi, à l'envers là? Parce que honnêtement, moi, le monsieur, après avoir vu cette vidéo, je l'aurais appelé direct pour lui dire tu m'effaces cette vidéo ou alors tu fermes ta gueule quoi. Parce que tu fermes ta gueule. Parce que là, c'est un peu comme si aujourd'hui, j'apprends que le président de la République a payé une jeune fille, je sais pas moi, 35 millions de francs pour coucher avec la jeune fille. Et après, on vient me dire que ouais, il était vieux et c'est abus de faiblesse. Abus de faiblesse? Abus de faiblesse, le mec, il a 93 ans, il veut se représenter pour un 7e mandat, il veut faire 100 ans au pouvoir. Ça veut dire qu'il est fort, ça veut dire qu'il a encore de quoi faire. Et là, vous voulez me prêcher l'abus de faiblesse, mais c'est quand même toi qui dis que t'es docteur et que t'as fait droit. Je pense que rien que ce plaidoyer-ci devant un jury, j'aurais raison. J'aurais raison devant un jury et un juge. J'aurais raison, j'aurais dit, soit on donne raison et on dit en plaide abus de faiblesse et on réclame illico presto la démission de ce vieillard en question, parce que tu l'as appelé vieillard, on réclame sa démission parce qu'il n'est pas capable de gérer le pouvoir. Qu'est-ce qu'il fout au cabinet civil, tout ce que vous voulez, à côté du président, quand n'importe quelle jeune fille, parce qu'on va le dire, à cette époque-là, Nathalie, elle n'était pas comme maintenant. Elle n'était pas comme maintenant. Donc, comme on dit en anglais, une jeune fille de 23 ans, elle a juste l'âge pour elle. Quand une jeune fille de 23 ans réussit à te caresser et tu débloques 20 millions pendant qu'il y a des enfants, des femmes qui meurent dans des hôpitaux, qui ne mangent pas, ou alors il n'y a pas de route, il n'y a pas d'école et il n'y a pas d'eau. Quand tu réussis à débloquer 20 millions pour donner à une telle personne, ou vous êtes sûr que c'est la fille qui a un problème? Je suis désolée, ce n'est pas la fille qui a un problème. Vous allez bon me prêcher l'abus de faiblesse, mais moi devant un jury, je peux convaincre du contraire. Donc, soit le pays est gouverné par des hommes séniles et on comprend pourquoi on court à notre perte et on devrait vraiment y remédier le plus tôt possible parce que là, on n'en peut plus. La preuve, on a quand même un monsieur de 97 ans qui veut se représenter pour un autre mandat de 7 ans. Et c'est grave, ça. Soit il y a abus de faiblesse, mais le monsieur, qu'est-ce qu'il fout là, en fait? Qu'est-ce qu'il fout là? Donc, rien que ce qu'elle vient de dire là, elle a complètement démonté le mec. Et donc, c'est pour ça que je veux dire, on n'a pas besoin d'insulter Dr Kadi. On n'a pas besoin d'insulter. Il suffit juste d'attendre 2 secondes, d'utiliser sa cervelle et elle sera contredite, tranquille. On n'a pas besoin de l'insulter pour ça, vous voyez la preuve, d'accord? Ouais, on continue. Parce qu'à un certain âge, une personne n'a plus la capacité de souvent juger et vous, moi, je pensais que vous... À un certain âge, une personne n'a plus la capacité de souvent juger. Mais qu'est-ce qu'il fait au cabinet de la présidence d'un pays? Quelqu'un qui n'a plus la capacité de juger. Ouh là là! Il devait plutôt être du côté du vieillard et le protéger parce qu'il a été abusé par une prostituée.
Quand j'ai dit cela, je dis aussi que en Europe et dans les sociétés modernes, on combat le blanchiment d'argent parce qu'on sait que généralement les revenus de la prostitution sont énormes. Moi, je vois dans les sites des prostituées, j'ai vu un reportage sur TF1 des filles qui vous disent qu'elles se font un 5 000 euros par semaine. 5 000 euros par semaine, c'est 3 millions de francs. Donc, au bout d'un mois, elles peuvent se faire 20 millions. Mais comme la France est claire, si, pour que vous déposiez de l'argent à la banque, il faut justifier la provenance des fonds. Alors, qu'est-ce qu'elles font? Elles achètent des sacs de marque, elles achètent de la drogue, et c'est comme ça qu'elles dépensent leur argent. Et je pense que le Cameroun aussi devrait mettre un accent sur la provenance des fonds. Quand on parle de la provenance des fonds, que les prostituées ou celles qui sont identifiées comme elles, investissent au Cameroun, on dit on ne peut pas saluer le blanchiment d'argent. Donc là, je suis d'accord avec elle. Le Cameroun devrait mettre l'accent sur le blanchiment d'argent. Le Cameroun devrait mettre l'accent, mais franchement, sur le blanchiment d'argent, d'accord? Et quand on parle de blanchiment d'argent, ça ne doit pas que concerner les prostituées. Moi, je suis contre le fait qu'on attaque une seule classe de la société, on laisse le reste, d'accord? Quand on voit notre chère présidente, pendant que dans son pays, il n'y a pas de route, et qui se lève un 20 mai avec une Range Rover de combien de poussières de milliards d'euros, et où on voit tous ces gouverneurs et ministres-là qui sont censés être des fonctionnaires. Des fonctionnaires. Mais il faut voir les châteaux que les gars construisent à Yaoundé et tout ce que tu veux. Mais oui, le Cameroun doit s'interroger sur la provenance des fonds. Alors là, moi, je suis d'accord avec Malène. Qui n'est pas d'accord avec Malène? Qui n'est pas d'accord? Tout le monde est d'accord avec elle. Faut pas juste lever le docteur Kadi et tout ça et venir dire que oui, on doit s'interroger sur la provenance des fonds de certaines personnes et pas sur d'autres. On peut également s'interroger sur la provenance des fonds de votre père qui est aujourd'hui incarcéré. On peut également s'interroger sur la provenance des fonds de vos propres fonds à vous. On peut s'interroger sur la provenance des fonds de tous ces ministres, tous ces gars qui pilent la Yaoundé et qui fonctionnent en grosse voiture et tout ça pendant que le peuple souffre. Mais si le Cameroun doit s'interroger sur les provenances de fonds, mais il y a matière à vérifier, hein. Il y a matière à vérifier. Venez pas juste appliquer votre loi camerounaise sur quelqu'un qui a décidé qu'elle veut plus être pauvre. Voilà, et qu'elle a décidé que voilà, quitte à faire des partous et rapporter 4 millions. Excusez-moi, il y a plein de filles là au Cameroun. C'est pas question de modèle de société, mais il y en a plein qui bavent, qui n'arrivent même pas à manger, à soutenir un sauté de plat, d'accord? Tu vas leur proposer, ne serait-ce que, la preuve, il y a des hommes au Cameroun qui proposent 5 000 francs CFA pour coucher avec des filles. Donc tu vas me dire que cette fille en question là, si elle voit une route de 4 millions de francs, elle va cracher dessus parce que voilà, il faut rester digne. Ou alors on va s'interroger sur la provenance de ces fonds. Mais tu te fous de la gueule de qui là? T'es sérieuse là, docteur? T'es sérieuse là? Mais arrête de te prendre le poireau. Je veux bien comprendre que t'as un ego surdimensionné, mais tu peux pas à toi seul dire quelque chose et te contredire 1000 fois. Mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. On n'a pas besoin de te traiter de pute pour ça. Je suis désolée, on te traite. Moi, j'ai dit, je vais pas te traiter de pute. En tout cas, pas maintenant, parce que après, j'aurai des raisons de le faire, d'accord? Mais pas maintenant. Mais pour le coup, s'il faut s'interroger sur les provenances de fonds, il y a matière à faire au Cameroun. Toutes ces personnes-là qui sont incarcérées au Cameroun, en Kondengi précisément, à cause de l'opération Épervier, ils sont pleins là qui n'ont pas rendu ce qu'ils ont pris à l'État. Ils sont pleins. Il y a telle personne a volé 41 milliards, 31 milliards, ils sont arrêtés, oui, mais ils sont pleins, ils n'ont rien rendu à l'État. Ils n'ont rien rendu à la dette qu'ils doivent à la société. Ils n'ont rien rendu du tout. Alors, excusez-moi, s'il faut s'interroger sur la provenance des fonds, il y a vraiment matière à faire. Il y a matière à faire au Cameroun. Il y a tellement... J'ai posté un reportage l'autre jour où même notre président, sur 35 ans de règne, c'était marqué qu'il a fait 5 ans en Belgique. Et là, on a juste été souple, on ne voulait pas l'enfoncer.
Lui aussi, il passe, et quand il arrive, il prend 60 employés, il prend tout le rôle du intercontinental. On a détaillé ce que ça pouvait coûter en argent. Personne ne s'est interrogé sur la provenance des fonds. Mais s'il faut s'interroger sur les provenances de fonds, il faut qu'on s'interroge à partir de la tête avant de descendre aux pieds. Pourquoi vous voulez commencer à vous interroger sur les provenances des fonds des pieds et vous laisser la tête? Vous êtes normaux là, mais docteur Kadi, are you serious? You're kidding. Like seriously, you're really kidding, right? Bref, on continue. Dans un pays qui se veut sérieux, quand une personne veut ouvrir une entreprise, on doit demander à cette personne où est-ce que vous avez pris de l'argent. Mais vous nous dites non, on devrait plutôt condamner les vieillards qui se font abuser. Et voilà, moi je ne suis pas de cet avis-là. Je pense que même un vieillard, quoique collaborateur du chef de l'État, doit être protégé. C'est ce que dit la loi. Oui, moi je suis d'accord avec toi. Franchement, je suis d'accord avec toi. Les vieillards doivent être protégés. Je suis d'accord, ils ne doivent pas être abusés. Mais quand tu es vieillard, tu es chez toi. Tu es à la retraite. D'accord? Tu ne fais pas partie des gens qui prennent des décisions pour diriger un pays. Si tu es vieillard, tu as fait ton temps. Soit tu es à la retraite, soit tu es chez toi, soit tu es 6 pieds sous terre, tranquille. Ok? Ne faut pas déranger les gens. À partir du moment où tu es encore en service et que tu travailles encore, on considère que tu as toutes tes capacités, toutes tes facultés de prendre des décisions. Et si toi-même, tu viens dire que finalement, le vieillard en question est parfois troublé dans son jugement et tout ça, ben écoute, ça veut dire qu'il y a un problème là. Tu ne trouves pas, Marlène, docteur Marlène? Il y a un gros souci. Il y a un décalage horaire. D'accord? Quand vous me dites que je n'ai pas un raisonnement de juriste, mon raisonnement de juriste, il est là. Excuse-moi, de ce côté-là, tu es vraiment chier en tant que juriste. Parce que moi, en face de toi, je n'ai pas fait droit, je n'ai pas eu de doctorat en droit, mais j'aurais défendu une prostituée, laisse tomber, je t'aurais démonté. Parce que tu me parles d'abus sur un vieillard, moi je t'aurais dit les vieillards, ils sont en maison de retraite, ou ils sont chez eux, ou ils sont 6 pieds sous terre. Mais tu me parles de quelqu'un qui est encore en fonction. Donc, de deux choses l'une, soit il est en fonction et il n'est pas capable d'utiliser ses facultés et donc on ne sait pas ce qu'il fout là, il est viré. Mais d'une certaine manière, j'aurais gagné. Parce que même si la loi te donnait raison sur le côté que oui, il a été abusé, d'un autre côté, le vieillard en question devrait foutre le camp. Il ne devait pas rester là. Donc oui, c'est soit on aurait innocenté ma cliente en disant qu'à partir du moment où le vieillard jouit encore de ses capacités et exerce encore dans une fonction, il n'est pas sénile, tu aurais pas dit qu'il est sénile quand même. Tu serais quand même pas venu défendre ton client en disant qu'il est fou. Ou alors qu'il n'est pas capable de prendre des décisions. Alors moi, en face de toi, moi je t'aurais cloué le bec, tranquille. Alors soit ma cliente aurait eu raison et tu l'aurais, vous nous auriez dédommagé. Parce que là, on va vous attaquer pour diffamation parce que vous dites qu'on l'a abusé et tout ça. C'est des accusations graves. Soit ma cliente, elle a tort. Mais ton client, il devra démissionner parce qu'on ne sait pas ce qu'un sénile qui n'est pas capable de contrôler sa libido fait là, à gérer les pouvoirs et tout ça. Et tu dis qu'il est vieillard, il n'est pas capable de juger. On ne sait pas. Donc, il y a un souci. Tu vas peut-être me prendre le cas, par exemple, tu vas rentrer dans les sociétés comme Trump. Non, pas Trump, Clinton, qui a couché avec sa secrétaire et tout ça. Mais oui, il n'a jamais été mentionné quelque part que ces présidents ou ces grands chefs-là ont payé ces filles en termes de milliards ou de millions, tout ce que tu veux. Et non, ils n'étaient pas des vieillards. Donc là, j'ai mis tout le volume. Hein. Alors là, s'il n'y a plus de volume... J'ai mis tout mon volume. Vous m'entendez là? Voilà, merci, merci, merci. C'est bon, Magina, vous m'entendez? D'accord. Ok, on continue. On voit un abus de faiblesse. Une fille de 29 ans qui va escroquer un vieillard de 82 ans parce qu'elle caresse son entrejambe. Ça ne se fait pas. Voilà, donc la prostitution ne peut pas être encouragée d'une manière ou d'une autre. Moi, je suis d'accord avec Marlène, le docteur Marlène, si vous voulez. La prostitution ne peut pas être encouragée. Ça, c'est son point de vue, on s'en bat les couilles. Le vol ne peut pas être encouragé. La corruption ne peut pas être encouragée. Le favoritisme au pays ne peut pas être encouragé. Il y a tellement de choses au Cameroun qui ne peuvent pas être encouragées. Mais bon, voilà, on se retrouve dans une société où il y a tout ça. Il y a un gros melting pot de tout ça. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Ben, c'est le Cameroun, ok?
demandé des preuves. Je me suis un peu amusée à aller sur Google parce que, vous savez, moi, je suis docteur. Bon, voilà, voici, à partir de là, on va rigoler, ok? On va rigoler, franchement, à partir d'ici, c'est intéressant. Continue. Quand je veux me renseigner sur quelqu'un, je regarde un peu sur Google. D'accord. Pour demander les photos. D'accord. Et demander des informations. C'est comme ça qu'on mène une démarche intellectuelle. On n'avance pas des choses sans savoir ce qu'on dit et pourquoi on les dit. Je vous prie de noter ça. On n'avance pas des choses sans savoir ce qu'on dit et pourquoi on les dit. Je vous prie de noter ça. On va revenir là-dessus. Moi, j'ai vu votre jeune entrepreneuse que vous soutenez en train de sucer le sexe d'un homme blanc quelque part là sur Google. Quand... J'ai envie de mettre une petite parenthèse juste pour me foutre un peu de sa gueule. Je crois qu'actuellement, notre cher docteur vient d'accoucher. Il me semble que pour avoir son bébé, elle a bien sucé le sexe d'un homme blanc. En tout cas, je dis ça, je dis rien. Quand on a une référence pareille, on ne peut pas être un exemple au Cameroun. Pourquoi ? Parce que vous avez pris cet argent, vous venez... Non, j'ai cette photo ici. Je ne sais pas si Facebook va me permettre de la publier. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Je ne sais pas si je pourrais présenter cette photo-là. Mais comme c'est une photo qui est publique, elle est sur Google, chacun pourra aller chercher. Et je me dis, moi, je ne voudrais pas que ma fille se retrouve dans des situations pareilles. Bon, moi aussi, j'aimerais pas, franchement, il y a beaucoup de choses qu'on n'aimerait pas où nos enfants se retrouvent. Hein. Donc là, elle va vouloir nous sortir une liste de, je sais pas moi, les 10 commandements de la morale. Bref, continuons, on va y revenir. En train d'être affichée sur Google, en train de faire une fellation à quelqu'un qui a une petite bite blanche. Je ne sais pas qui c'est, un blanc. Et je vois ça, je suis en train de voir ça sur Google. Donc, je voudrais pas ça. C'est pour ça que je dis qu'il y a des preuves qui nous amènent à croire que certaines personnes ont mené une vie de débauche et donc nous ne serons pas encouragés ces personnes. Voilà. Bon, là, on va faire une petite parenthèse, si vous permettez. D'accord. Voilà. Donc là, OK, il y a notre cher docteur qui a commencé en disant oui, il y a une photo qu'on a vue de la chère docteur, de notre chère Nathalie Koa, voilà, en train de sucer un homme blanc. Déjà, si dans une relation avec ton homme, t'es pas capable de lui faire une fellation pour qu'il se sente à l'aise, ben, je sais pas, hein, je suis pas là pour donner des conseils, j'ai pas un doctorat moi, donc je vais pas m'avancer là-dessus, d'accord? Ensuite, il se trouve que dernièrement, notre cher docteur a accouché, elle a un bébé, ok? Et il se trouve que le bébé, il est métisse, bon, donc il me semble que le père, il est blanc, donc peut-être elle a fait le bébé et elle a pas sucé le père, ok? On veut bien le croire, donc elle a fait des bébés, elle se contente juste de faire du missionnaire et puis c'est bon, tout est réglé. Donc s'il y a d'autres personnes qui apprécient, voilà, elle va me dire que la différence entre l'autre et elle, c'est que voilà, l'autre suce et elle passe sur Google et elle est juste et ça se passe chez elle. Si l'autre suce et que ça se retrouve sur Google, c'est bien qu'elle est une experte. En tout cas, je dis ça juste pour ceux qui sont intéressés, je dis rien d'autre. On continue. Ah non, 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 attendez, il y a une pause. Je voulais mentionner quelque chose. Elle a voulu parler des mœurs. Notre cher docteur, elle a voulu parler des mœurs en disant qu'elle n'aimerait pas que sa fille fasse ci ou sa fille fasse ça, ce que vous voulez. Bof. Ou elle n'aimerait pas que sa fille se retrouve dans telle ou telle position et tout ça. On va rigoler. Attendez, je suis en train de chercher quelque chose. Elle voudrait pas que sa fille se retrouve dans une situation où elle voudrait pas... Qu'on voit sa fille en train d'être filmée sur Google. Côté moral, Marlène, docteur Marlène, c'est un peu tendu là. Parce que moi particulièrement, ma mère, ce qu'elle m'aurait enseigné, parce que ma mère, elle est ancienne d'église. Donc moi, ma mère, elle m'aurait enseigné que je sois vierge jusqu'au mariage. Que je fasse tous mes enfants avec le même père. C'est ça que ma mère aurait voulu pour moi, tu vois. Et donc là, toi, on va dire, c'est la morale, c'est ses convictions. Donc là, déjà, cher docteur Marlène, t'as vraiment pas qualité. T'auras beau être docteur, vas-y, prêche à Nathalie Koa sur le doctorat, ce que tu veux. Elle n'a pas le doctorat, elle va fermer sa gueule. Mais sur la morale, t'es pas bien placée, je suis désolée. T'es quand même une dame qui a fait 4 enfants, je pense, avec 3 pères différents.
Excuse-moi, c'est pas trop ça entre les entre règles de morale, ok? Donc t'as pas fait tous tes enfants avec un même père, hein? Tous tes enfants, ils n'ont pas le même père, de ce que si je ne m'abuse. Donc de ce côté-là, t'as pas de morale à nous donner. Je sais pas moi, l'homme que t'as connu aujourd'hui, tu l'as pas connu, tu étais vierge, hein? Donc moi aussi, j'aimerais bien te dire que de ce côté-là, nos mères, elles auraient aimé qu'on arrive en mariage vierge, satinée et tout ça. Mais sauf que la société, malheureusement, elle a évolué. Qu'est-ce que tu veux? Donc viens pas nous parler la morale, ne viens pas nous prêcher la morale. Mais alors, ça dit, tu veux faire la morale avec qui? Mouf, tiens, ma mère. Dis donc, dégage avec ça. En plus, tu veux nous parler de morale. Regarde-toi. Regarde-toi, Marlène. T'as un cigare à la bouche, un soutien à main et un verre de je sais pas trop quoi, mais une chose est sûre, c'est que c'est pas de l'eau à boire. Donc, c'est plutôt mal vu, là. Je suis désolée. Moi, particulièrement, j'aimerais pas voir ma mère comme ça. Donc, quand toi, tu dis que t'aimerais pas voir ta fille en train de sucer un mec, moi, j'aimerais pas voir ma mère comme ça. Et je suis sûre que moi, je verrais pas ma mère comme ça sur Facebook, avec un soutien à la main, une cigarette, une robe qui n'a pas l'air très catholique, parce que je vois l'entrejambe, je vois ça, et après... Je vois un verre que tu tiens en main, je suis prête à parier 1 500 euros que c'est pas de l'eau à boire, ok? Donc franchement, tes leçons de morale sur ce qu'on doit faire, nanani, société générale, société camerounaise, ou alors la loi camerounaise a dit ci, ou la loi camerounaise a dit ça, si tu veux pas qu'on te dise, comme a dit Kamel, va te faire foutre, ben on te dit, va crosser le tarot, quoi, vas-y, on va te dire ça de la manière la plus polie que tu veux, on s'en bat les couilles de tes leçons de morale. On s'en bat les couilles, on n'en a rien à foutre. T'es vraiment pas qualifié là-dessus pour nous donner. Autant tu dis que t'es docteur pour nous donner, pour dire que t'as qualité à nous prêcher tout ce que tu veux sur le doctorat, autant là, t'as pas qualité à nous prêcher sur les lois de la morale. D'accord? Donc si toi tu veux me dire que j'aimerais pas voir ma fille en train de sucer un blanc patati patata sur Google, ben moi j'aimerais pas être ta fille et voir ma mère comme ça avec un soutien à la main, une cigarette dans la bouche et un verre en direct, t'es prête à te faire défoncer par une équipe de football quoi. Donc je suis désolée, pour moi c'est pas de la morale, ok? Si c'est elle, je suis désolée, c'est bien elle. D'accord. Eh ben moi j'ai pas. Ok. D'accord. J'ai pas de problème à m'excuser. J'ai pas de problème à m'excuser. Mais quand même, ok, d'accord. C'est pas Marlène. D'accord, c'est pas Marlène. Je reviens sur ce que j'ai dit. Mais ça n'empêche pas que la dame, elle a quand même 4 enfants avec 4 pères. Et elle est mariée avec un monsieur. Elle est mariée avec un monsieur qui l'a pas connue vierge. Donc oui, je suis prête à faire le mea culpa sur ce que je viens de dire. Mais ça n'empêche pas qu'elle n'a pas qualité quand même à nous donner des leçons de morale. Écoutez, Diva de Londres, oui, je suis d'accord. Moi, je n'ai pas de problème en fait à faire un mea culpa et m'excuser sur ce que j'ai dit qui pourrait poser un problème. Je m'excuse, je suis désolée. Je m'excuse, d'accord? Si j'ai fait une erreur de personne, oui, je m'excuse, mais ce que j'ai dit reste valable. Elle n'a pas qualité à donner des leçons de morale. OK? Bon, on continue. Qu'elles font, parce que on sait très bien que des fois c'est des revenus pas très nets, soit du prosélytisme, soit de la prostitution. On ne peut pas encourager. Et monsieur Anango, je comprends bien que vous ayez une dette morale vis-à-vis de cette personne qui vous aurait versé 600 euros. Autre problème de compréhension de français. Parce que le matin, il nous a dit que tout le monde qui venait le matin. Mais si Prisca Biolo veut me tomber dessus, je lui souhaite bonne chance. Bref, si je veux dire, au début de sa vidéo, elle a dit que ceux qui suivent Serge Anango ne comprennent pas bien le français. Je pense qu'on n'est pas les seuls à ne pas comprendre le français, d'accord? On continue. Et vous avez une dette morale et une dette financière envers elle. Déjà, Serge Anango n'a aucune dette morale, encore moins aucune dette financière envers Nathalie Koua. D'accord? Aucune. C'est pour ça que, inconsciemment, vous cherchez toujours à la réhabiliter, mais vous n'allez pas la réhabiliter. Serge Anango ne cherche pas non plus à réhabiliter Nathalie Koua. D'accord? Voilà pourquoi je dis que elle est plutôt très forte pour dire que les gens ne comprennent pas le français, mais elle semble elle-même ne pas comprendre le français. Le problème des 600 euros qu'il y a eu entre Serge et Nathalie, Nathalie aurait donné 600 euros à la sœur de Serge, et Serge a des messages qui prouvent que
À plusieurs reprises, il a essayé de contacter Nathalie pour essayer de lui rembourser cet argent et n'a jamais envoyé le RIB. Et donc, la dernière fois qu'ils ont eu un souci, ils se sont pris la tête par rapport à un souci. Et donc, Nathalie lui a sorti, si Serge la prend en grippe par rapport au souci qu'ils ont eu, c'est simplement parce que Serge ne veut pas rembourser l'argent qu'elle lui a prêté. Or, on se retrouve en fait, on se retrouve dans un cas de figure où on a quelqu'un, on a un Camerounais bien sûr, ça c'est les Camerounaiseries, qui estime que parce qu'on est amis, tu ne peux pas dire que voilà, t'es mon ami, t'as merdé. Et c'est dans ce cas de figure qu'on s'est retrouvé. Serge Onango a dit à Nathalie par rapport à une situation qui était plutôt personnelle que voilà et j'apprécie pas. Et elle, au lieu de prendre la critique constructive en considération, elle s'est plutôt dit voilà, s'il me parle comme ça ou s'il se permet de me dire ça ou de me dire ça, c'est parce qu'il veut pas me rendre l'argent. Et l'affaire des 600 euros est sortie parce que Nathalie Kowa a ramené ça à une fille que Serge également lui avait présentée, une certaine Tatiana Kamge. C'est Tatiana Kamge qui sort l'histoire des 600 euros. Mais Nathalie Kowa, jusqu'aujourd'hui, elle n'a jamais pris la peine de prendre un direct ou un post pour expliquer que voilà, Serge, il me doit 600 euros. C'est Serge qui a sorti, après que bien sûr Tatiana Kamge ait parlé de ça, c'est Serge qui l'a fait dans son direct parce qu'elle estimait ou alors elle s'est dit que si Serge n'en parle pas, peut-être c'est parce que ce serait une faiblesse, mais ce n'est en rien une faiblesse. Ce n'est en rien une faiblesse. Il a assumé et il a dit que voilà, moi je te dois de l'argent, je suis prête à te rembourser cet argent quand tu veux, ça ne me pose absolument aucun problème. Mais c'est pas pour autant que si tu commets une merde, moi en tant que ton ami, je vais pas te dire que voilà, t'as merdé. Et ça c'est le problème des Camerounais. Parce que t'es mon ami, on ne doit pas te dire que voilà, t'as merdé ou t'as fait ci ou t'as fait ça. Non, je suis désolée. Si t'es mon ami ou tu estimes que toi et moi on est amis, ben si j'ai à te dire que peu importe ce qu'il y a entre nous avant, si j'ai à te dire que voilà, t'as merdé, je te dis que t'as merdé. Pourquoi est-ce que ça devrait rentrer dans, je sais pas moi, dans un truc, genre je veux pas te rembourser ton argent. Même ça, Marlène ne l'a pas compris. En l'en comparant avec des personnes comme moi. Moi, je vous ai accepté dans mon... Déjà, Serge n'a jamais comparé Marlène à toi, docteur. Il a juste dit qu'elle fait des posts où elle s'exprimait bien. Et on va revenir là-dessus. Dans la liste des personnes qui me suivent, je ne savais pas quel était votre parcours, quelles étaient vos convictions. J'ai vu que vous êtes un activiste politique. Et je me suis dit, en cette période électorale, je vais aller débattre avec tous les activistes politiques, parce que moi je soutiens le président Paul Biya. J'irai défendre mon opinion. Elle soutient qui? Le candidat du risque. Dans ma position, et c'est pour ça que toute personne qui rassemble 5 000, 10 000 personnes sur Internet et qui parle de politique, de la gouvernance du Cameroun, ça ne me pose pas de problème d'aller débattre avec elle. Et c'est dans ce sens que je me suis permise de vous accepter comme interlocuteur, et sachant aussi le pedigree que vous présentez. Vous nous dites que vous êtes ingénieur, donc j'avais pensé qu'il y aura quand même un certain niveau de débat, mais malheureusement j'ai été prise au piège parce que je constate non seulement que vous êtes un fervent défenseur de la déviance sexuelle, de la déviance morale sur les réseaux sociaux, parce que je vous ai vu appuyer la célèbre Fleur de Lille, et c'est ce que je pense d'elle. Voilà encore un autre sujet, on va revenir. Je vous vois appuyer tout ce qui est un peu qui ne correspond pas à mes convictions intellectuelles et mes positions philosophiques, mes convictions religieuses. Je vous vois défendre ça, c'est votre droit. Mais généralement, moi, pour que je sois ami avec une personne, cette personne doit me partager les mêmes convictions que moi. Et je vous vois un peu aller dans tous les sens. Ça prouve le désordre qui existe dans votre tête et votre incapacité à structurer une conviction intellectuelle. On est en voie de se demander dans la tête de qui il y a un véritable désordre là. Parce qu'elle est quand même quelqu'un qui dit quelque chose et après elle se contredit. Bref, on ne va pas revenir là-dessus, on continue. Là, je vous laisse là. Quand je... Donc là, elle a dit quoi? Elle a dit Serge, un fervent défenseur des déviants sexuels sur Facebook. Déjà, ça c'est une autre affirmation fallacieuse. Elle a voulu parler de Fleur de Lille. Déjà, moi, de ce côté-là, je vais dire à Malène, encore une fois, à Dr Malène, ferme ta gueule.
ferme ta gueule, sincèrement. Quand tu n'as rien à dire, sincèrement, ferme ta gueule. Ferme vraiment ta gueule. Parce que quand tu veux citer les Fleurs de Lys ou Nathalie Koa ou tout ce que tu veux, que ouais, ce sont des prostituées ou alors elles ne sont pas des modèles, à la base, quand Fleurs de Lys commençait ses directs, elle a jamais demandé à quelqu'un, à des gens, hey, venez me suivre parce que je vais être votre modèle. Elle a jamais demandé ça. Elle a jamais PS, je vais être le modèle de la jeunesse camerounaise. Quand Nathalie Koa faisait ses partouts et tout ce que vous voulez jusqu'à ce que ça éclate, elle n'a jamais mis en bas de son profil Instagram, PS, je voudrais être le modèle de la jeunesse camerounaise. Je ne connais d'ailleurs aucun artiste ou alors quelqu'un qui se veut célèbre quand il commençait et en souhaitait être le modèle, je ne sais trop quoi. C'est les Camerounais qui érigent leur modèle. Et ils savent sur quoi se basent. Ils savent sur quoi ils se basent pour dire que c'est leur modèle. Donc, s'il y avait quelqu'un, s'il y avait des gens à fumer par rapport au choix de leur modèle, cher docteur, ce seraient les Camerounais. Tu devrais en vouloir aux Camerounais de choisir des personnes comme Fleur de Lys ou Nathalie Koa. Mais viens pas vouloir aux gens qui, du jour au lendemain, se sont retrouvés en train d'être célèbres, célèbres sur la toile. Pas, en plus, même pas parce qu'elles ont voulu, mais parce que voilà, il y a des gens comme ça qui sont nés et puis il y a des choses qui te tombent sur la vie, qui te tombent dessus dans la vie. Qu'est-ce que tu vas faire? Elles n'ont jamais demandé à être modèle de la société ou quoi que ce soit. Venez pas leur prêter des intentions qu'elles n'ont pas choisies. Si elles voulaient être des modèles de la société, elles auraient commencé par le couvent, elles auraient continué par le droit, et puis elles auraient terminé par, je sais pas moi, droit de défense de je ne sais trop quoi, moi, dans une société d'UNICEF ou l'ONU. Franchement, venez pas demander à quelqu'un qui vit sa vie et qui ne demande rien à personne, qui se lève le matin, fait ses directs, vit sa vie peinarde, et puis venez lui demander, ouais, il faut que tu sois le modèle de la société ou c'est le modèle de la jeunesse. Je suis désolée, madame, docteur, toi non plus, t'es pas un modèle. T'es pas un modèle. Il n'y a rien qui me pousse, moi, à vouloir devenir comme toi. Puisque la plupart des Camerounais te connaissent comme quelqu'un de tribaliste, autant tu dis des vérités qui ne plaisent pas. En fait, toi, il faudrait vraiment qu'on ne t'écoute pas avec une fibre émotionnelle pour essayer de capter ce que tu dis de bon et ce que tu déblates comme conneries. On est d'accord. Il y a plein de trucs que tu dis où moi, je suis venue, j'ai liké tes commentaires, j'étais d'accord avec. Mais c'est pas pour autant que moi, j'aimerais être comme toi. Pourtant, tu dis avoir été invité sur des plateaux télé et tout ça et t'as balancé tout ce que tu veux dans des journaux et tout ça. Mais t'es pas un modèle. Tu n'es pas un modèle. Moi, je ne rêve pas d'être comme toi. Je connais même pas une fille au Cameroun qui rêve d'être comme toi. Je suis désolée. Et en plus, tu dis être intellectuelle. Normalement, en tant qu'intellectuelle, tu devrais avoir toute la jambe féminine de la jeunesse, tout ce que tu veux, qui serait liée à ta cause. Parce que voilà, on veut être une femme accomplie qui a commencé par des études, nanani, et qui s'établit. Mais là, c'est pas le cas. Et pourquoi? Pose-toi aussi des questions. Toi non plus, tu n'es pas un modèle. Pourquoi est-ce que tu veux exiger des gens qui, du jour au lendemain, se sont retrouvés célèbres grâce aux réseaux sociaux? Une quelconque modalité, tu vas commencer à leur parler de modèle. Ouais, t'es pas un modèle, t'es pas un modèle. Toi non plus, tu n'es pas un modèle. Tu n'es pas un modèle. Donc, demande pas aux gens d'être des modèles de quoi que ce soit, alors que toi non plus, tu ne l'es pas. Je suis désolée. Quand j'ai dit ça, je parle aussi des attaques personnelles, monsieur Anango. Chaque fois sur votre page, dès que vous affichez quelque chose, si c'est votre stratégie, moi, elle ne me branle pas. Il y a des faux profils. J'espère que ces faux profils ne vous appartiennent pas, qui viennent pour m'insulter, qui viennent pour dire des choses. Moi, je n'admets pas les faux profils sur ma page. Quand une personne est sur ma page, je vérifie la qualité de la personne. Si vous me dites que vous êtes médecin, je dois vérifier que vous êtes médecin. Moi, personnellement, si tout le monde voulait réfléchir comme toi, moi, j'aurais dit à Serge de ne pas t'admettre sur sa page parce que Serge, il n'a jamais fait la prison. D'accord? Et toi, tu es une ex-prisonnière, tu es une ex-toulade, je suis désolée. Présomption d'innocence ou pas, charge ou pas, tu as fait de la tôle. Donc, tu n'es pas quelqu'un qu'on doit fréquenter. Donc, s'il faut se baser sur ça, ben, excuse-moi, tu n'es pas fréquentable. Tu n'es pas fréquentable. Je dois vérifier que le nom que vous affichez est votre propre nom pour que vous soyez responsable de ce que vous écrivez sur ma page. Mais vous prononcez mon nom et il y a des personnes, des milliers de personnes, des faux profils qui viennent pour dire n'importe quoi. Donc ça montre déjà que vous n'êtes pas responsable et vous n'êtes pas responsable de ce qui se fait. La question de faux profils, c'est encore une autre, comment on dit, c'est une autre supercherie.
Dès que tu as un profil sur Facebook, un profil qui réagit, qui commente, qui like, tu n'es pas faux. Ça veut dire qu'il y a bien quelqu'un qui dirige ce profil en question. Ce qui compte, c'est quoi? C'est les idées, ce que la personne aimait. À partir du moment où les idées ou ce que les commentaires de la personne aimait ne t'intéressent pas, tu bloques la personne. Il n'y a vraiment pas matière à débattre là-dessus. C'est aussi simple que ça. Autant toi, tu veux garder ton anonymat parce que tu fais un direct et sur ton direct, on ne voit que des fleurs et un salon. Autant il y a d'autres personnes qui préfèrent avoir leur compte Facebook où il n'y a pas de leur photo. On peut rien en dehors de ta voix là qui est en train de se faire. Il n'y a rien qui prouve que toi non plus, tu n'as pas un faux profil. Sur ton compte, il y a des photos, il y a des vidéos, mais quand tu fais un direct, on ne voit pas ta tête. On ne voit pas ta tête, on voit un mur, un plafond et une plante. C'est la même chose que par exemple si Imagina Purity se lève et fait un direct demain, ce sera également pareil. Donc franchement, on va pas non plus... La question de faux profil, elle est débile. Ce qui compte, c'est le fond. Est-ce que ce que tu dis a un sens? Si ça t'arrange, tant mieux. Ça t'arrange pas, tu bloques la personne. C'est aussi simple que ça. Sur votre page, moi je peux pas accepter que des faux profils viennent vous insulter sur ma page. Donc quand j'ai dit ça, déjà qu'on voit le nombre de personnes. Je parlais que j'avais entendu dire que mademoiselle Nathalie quoi, vous avez donné 600 euros, vous aviez un problème de 600 euros, vous a promis des vacances et tout ça. Ce n'est pas une raison pour vous sentir redevable et faire à tout prix, faire tout pour la réhabiliter. Quand elle dit que nous on a un problème, nous qui suivons Serge, on a un problème de compréhension de français. Eh bien, qui a un problème de compréhension de français? Qui? Parce que c'est bien elle qui dit que oui, parce que Serge voudrait des vacances aux Bahamas. Il serait prêt à tout pour réhabiliter Nathalie Koa. Qui a un problème de français, si c'est pas elle? Bref. En comparant avec des personnes comme nous, non. Si je me suis prononcée sur le problème de Nathalie Koa, c'était pas en tant qu'individu, non. J'étais dirigeante du football au Cameroun, j'étais présidente régionale de la FECAFOOT dans le sud, en première femme candidate à la présidence de la FECAFOOT. Et sûr. Nathalie Koa, malheureusement, son nom est apparu avec celui d'un joueur de football, Samuel Eto'o, qui était capitaine de l'équipe nationale, à la veille de la Coupe du Monde. Il fallait que nous donnions un avis. Si elle avait fait son affaire avec, avec Bello, le vendeur de bœuf, jamais moi et vous, tout Marlène, je ne me serais prononcé dessus. Mais c'est une situation qui s'est imposée dans la sphère publique et les autorités du football devaient donner leur avis. Et j'ai été invité justement en tant que dirigeante du football à l'émission L'Arène, une émission dont le caractère sérieux n'est pas contesté. Et j'avais donné... Je suis désolée quand elle parle d'émission dont le caractère sérieux n'est pas contesté. C'est bien à cette émission-là que Kalis Beyala a été prise en grippe. Une dame, un écrivain qui aurait été invité sur un plateau et au lieu de lui poser des questions sur ses œuvres en tant qu'écrivain, on lui posait des questions sur le nombre de ses ex. D'accord, on va pas revenir sur le caractère sérieux de cette émission. Un avis. Maintenant, vous transformez cela en une histoire de quartier. Non, nous ne sommes pas au même niveau et je veux pas qu'on me ramène dessus. S'il ne s'agit pas de Samuel Eto'o et je ne suis plus dans le football pour le moment, je ne veux plus parler de cette affaire. Je ne veux pas que vous écriviez vos bibles en citant Nathalie Koa, en citant mon nom. Nous n'avons rien à voir ensemble. Je suis bien d'accord, vous n'avez rien à voir à faire ensemble. Hein. Rien du tout. On n'a rien à voir ensemble. J'ai donné mon avis sur les questions parce qu'il s'agissait d'un joueur de foot. Et moi, en tant que dirigeant du football, j'avais donné mon avis. J'ai donné mon avis parce que j'ai été interpellé. Et j'ai donné mon avis aussi en tant qu'intellectuel sur ce qui s'est passé en disant que les femmes, le respect de la dignité humaine passe aussi par le respect de son propre corps. Bien sûr. Une femme, une fille qui est bien éduquée, ne peut pas se permettre d'accepter de faire des partouzes avec des personnes qu'elle ne connaît pas, avoir des rapports non protégés. Nous sommes dans une société au Cameroun. Une fille qui est bien éduquée, selon ce qu'elle essaie de nous faire comprendre, je pense qu'elle aurait fait tous ses enfants avec un même homme. Hein. À partir du moment où tu fais 1000 enfants avec 1000 pères, il y a de quoi se poser des questions sur ton éducation également. Je dis ça, je dis rien. Où 40% des jeunes sont atteints de 40% des jeunes de moins de 30 ans sont atteints de VIH. On ne peut pas encourager quelqu'un qui écrit un livre en disant oui, j'ai eu des partouzes avec des personnes que je ne connais pas, je sais pas, et puis on avait souvent des rapports non protégés. Je suis désolée, Serge Anango n'a jamais encouragé
Nathalie Kowa à la publication de ce livre. D'ailleurs, il avait mentionné une fois dans un de ses posts que quand le livre sortait, il n'était même pas en France. Il était à l'étranger. Il n'a jamais encouragé Nathalie Kowa à publier ce livre. Donc, un rien sans langage. Ensuite, si Nathalie Kowa décide de publier un livre où elle décide d'énumérer ses nombreuses phrases, c'est son problème. C'est son droit, je suis désolée. On a bien vu avec l'ex-compagne de François Hollande. Elle aussi, elle a publié un livre où elle parlait également de ses frasques avec l'ex-président. Personne n'est allé lui prêcher la morale de « Ouais, t'es pas bien éduqué, t'es bien éduqué. » Donc, franchement, les vieux là, franchement, laissez-nous, foutez-nous la paix, quoi, avec les « Tu es bien éduqué, t'es pas bien éduqué, tu parles mal, tu parles bien, tu dois faire ci, tu dois pas faire ça. » Mais foutez-nous la paix. Foutez-nous la paix. Et puis non, cette personne doit venir pour dire « Je m'excuse pour ce que j'ai fait, je conseille des jeunes filles de ne pas avoir des rapports non protégés parce qu'elles encourent le sida. » Ce qu'on attend de cette personne, c'est de faire publiquement un test de VIH. Mais qu'est-ce que vous attendez d'elle? Quand tu me dis quand vous dites ce qu'on attend d'elle, vous attendez quoi d'elle? Elle ne vous doit rien. Elle ne vous doit absolument rien. La meuf, elle vit sa vie, elle essaie de passer autre chose. Vous pensez vraiment qu'elle a, elle a souhaité être affichée sur les réseaux sociaux? Vous pensez, c'est pas comme maintenant où la chose est devenue vulgaire. Même moi, je poste des photos de moi en lingerie. Mais la chose avant, c'était pas comme maintenant. Qu'est-ce que vous attendez de quelqu'un qui a été affiché à un moment où les réseaux sociaux, c'est encore cadique, pudique, tout ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez d'une... Elle a été affichée, on a affiché sa nudité, elle a une atteinte à l'image, elle a été violée, elle n'arrivait même pas à marcher en pleine journée, elle a été harcelée. Mais qu'est-ce que vous attendez d'une personne comme ça? Vous voyez juste la sphère de oui, elle a couché avec un joueur, elle a eu de l'argent. Mais dans d'autres pays, je veux dire, elle serait dans un autre pays, on aurait mis des psychologues à ses trousses pour qu'elle ne tente même pas de se suicider. Mais ça, tu ne le vois pas. Tu vois juste de oui, elle a escroqué de l'argent, elle est montée, elle est descendue. Et même, aujourd'hui, tu viens critiquer le fait que elle est en train d'essayer d'ouvrir une affaire et au point de dire qu'on doit s'intéresser sur la provenance des fonds. Mais franchement, les Camerounais, je ne vous comprends pas. Vous êtes les premiers à insulter ou à traiter les filles de putes, soit disant, ouais, c'est une pute, elle couche avec telle, elle couche avec telle, elle couche avec telle pour de l'argent. Et puis du jour au lendemain, quand elle décide de monter une affaire, justement pour arrêter la prostitution, justement pour se responsabiliser et enseigner autre chose que la prostitution à sa fille, vous voulez la crucifier, vous êtes sérieux là? Tu aurais préféré quoi? Qu'elle redevienne une commoner qui vend des tomates au marché? C'est là où ça t'aurait rassuré sur le fait que voilà, elle a retrouvé sa morale? C'est ça. Même la loi qu'on ait le répenti, c'est-à-dire que tu te retrouves devant un tribunal où tu aurais volé à manger, je pense pas qu'on te culpabiliserait pour ça. Quand même, à un certain moment, évitons un peu de faire, de jouer les vierges effarouchées. On dirait qu'on a grandi dans un couvent, quoi. Allô? Moi, je peux pas en vouloir à un voleur qui autrefois était voleur, décide de se repentir pour mener une autre activité. Je peux pas en vouloir à une prostituée qui autrefois était prostituée et du jour au lendemain décide de se remettre à l'école, à l'écriture, au commerce, tout ce que vous voulez. Je sais pas, moi, mais quelle est cette société qui ne réhabilite pas les gens? Même aux États-Unis, on réhabilite les gens. Tu vas en prison, tu ressors, tu es réhabilité. Quelle est cette société qui ne réhabilite pas les gens? On est toujours en train de te cataloguer par rapport à tes faits, tes faits passés. On n'évolue pas. C'est-à-dire que peu importe ce qu'elle va faire demain, vous voulez qu'on l'accuse. Pourquoi? Moi, je ne suis pas une défenseuse de la cause Nathalie Kowa. Jamais de la vie. D'ailleurs, j'ai une de mes cousines qui l'a défendue. Moi, je ne l'ai jamais défendue d'ailleurs. Mais j'estime que à partir du moment où on vit dans une société quelque part et qu'on essaye, notre société, elle n'est pas la meilleure des sociétés, il ne faut pas se mentir. C'est pas la meilleure des sociétés. C'est pas une société où tu vas te lever le matin et tu vas espérer que ton enfant grandisse, parte à l'école. Chaque fois que ton enfant va voyager pour aller en vacances, tu auras le cœur soulevé parce que tu as peur qu'on t'annonce le soir qu'il est mort dans un accident. C'est une société où on a des gens qui volent à manger. Les gens ont faim. On a des gens qui se font brûler parce qu'ils ont volé un téléphone. Notre société n'est pas la meilleure des sociétés. Et si dans une telle société, on n'a même pas encore compris qu'il faut réhabiliter les gens qui, oui, certes, ont fait des 400 coups quoi, dans le passé et qu'ils essayent de se remettre sur le droit chemin. Mais quelle sorte de parents vous êtes? Parce que même les parents... Nous,
En tant que parent, même moi, j'ai fait, à l'âge de la puberté, j'ai fait des misères à ma mère. Mais s'il fallait qu'elle me jette pour autant et qu'elle n'ait plus d'enfants, où est-ce qu'on en serait? Je sais pas, moi, tu es parent, ton enfant, il te fait ci, il te fait ça. Est-ce que c'est pour autant que tu vas cataloguer ton enfant chaque jour qui passe sur ce que l'enfant a fait dans le passé? Ben non. Ben non, à un moment, il faut évoluer. La société, on évolue. Vous dites qu'on doit être fier de notre société. Fier de dire qu'on est Camerounais. Fier de dire qu'on appartient à. Vous dites qu'on doit être fier de ça. Mais si notre société ne nous protège pas et nous livre en pâture, si notre société n'est pas là pour nous défendre, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on en ait à foutre? Qu'est-ce que vous voulez qu'on en ait à foutre d'une telle société? Vous êtes là prêt à citer la loi camerounaise ne fait pas ci, la loi camerounaise ne fait pas ça. Mais qu'est-ce que... oui, la loi camerounaise ne fait pas ci, mais qu'est-ce que la loi camerounaise fait en fait alors? Qu'est-ce qu'elle fait? Puisqu'on dit elle fait pas ci, mais qu'est-ce qu'elle fait? La société ne protège pas le faible. Notre société ne protège pas le faible. On a vu des vidéos où une femme et ses enfants, des femmes et des enfants ont été tués par des militaires. C'est le plus fort qui a raison dans notre société. Pourquoi est-ce qu'on a de la peine à réhabiliter une personne? Moi, avant que je n'arrive, il y a un jeune en van. Je partais à Douala. J'avais mon sac. Dans ma valise, il y avait mon ordinateur. Et là, à l'instant T, il a tiré ma valise. Sauf que c'était devant la société Buka Voyage. Là, j'ai crié au voleur direct. On l'a arrêté. On était prêt à le tuer. On était prêt à le massacrer. J'ai été encore la même personne à regretter d'avoir crié au voleur. J'ai payé un taxi dépôt pour qu'on aille dépôt. J'ai dit au taxi, tu le laisses où tu veux, mais vas-y, va avec lui. Parce qu'on allait le tuer. Et c'est pas pour autant que j'allais pas avoir mal, quoi. Si je perdais mon ordinateur, je venais tout juste de l'avoir. Ça me faisait super mal. Par contre, ça m'aurait fait mal si j'avais perdu mon ordinateur. Mais je n'estime pas qu'on doit tuer quelqu'un. On doit brûler quelqu'un. Sous prétexte que voilà, notre société ne réhabilite pas les gens. Et rien que pour ça, on devrait être beaucoup plus tolérant envers des gens qui autrefois peut-être étaient taxés de prostituées. Si aujourd'hui elles ouvrent un complexe ou elles décident de faire du commerce, même si on va commencer à dire ouais, on la provenance des fonds et tout ça. Excusez-moi s'il faut s'interroger sur la provenance des fonds. Interrogez-vous sur la provenance des fonds de tout ce qui fait un business au Cameroun. Et on va se rendre compte qu'elle n'est pas la seule. Pourquoi est-ce qu'on veut à tout prix l'acculer? C'est ce côté-là que je défends. C'est pas la personne de Nathalie Koua qui m'intéresse. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Elle n'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est notre société qui a du mal à réhabiliter les gens. C'est ça mon problème. Et là, on veut nous dire que oh, la prostituée en fait si, la prostituée, oh, elle n'est pas modèle, elle n'est pas si. Vous non plus, vous n'êtes pas des modèles. Si vous étiez des modèles ou si notre société considérait qu'on devrait être des modèles, elle ferait tout pour qu'on le soit. Mais malheureusement, on est enfoncé au jour le jour. On est enfoncé. Pour montrer que voilà, moi je vous encourage à aller faire les tests de VIH parce que la vie de débauche n'est pas bien. Moi je suis d'accord, elle nous encourage à aller faire. Franchement, pour une femme qui a eu 4 enfants et avec 4 pères, j'espère qu'elle même a publié son test de VIH. Hein. Je dis ça, après je dis rien, je m'en fous. C'est ce qu'on serait attendu de cette personne. C'est pas le fait de venir ouvrir une boutique. Oui, qu'est-ce que cette personne a fait? A-t-elle obtenu un crédit? On ne cherche pas à savoir, elle ne nous intéresse pas. Mais on s'en fout! Est-ce que, je sais pas, moi, tu t'interroges, toi, sur tout le monde qui ouvre des magasins au Cameroun, s'ils ont trouvé des boutiques ou pas? Je sais pas. Pourquoi c'est seulement elle qui serait ta victime? Ce qui nous intéressait, c'est de savoir que oui, il y a eu une remise en question. Et si cette personne va apporter une contribution dans le débat public, c'est d'encourager les jeunes filles à ne pas suivre cette voie-là. Je pense que. Elle n'a pas à être érigée en modèle de la société déjà parce qu'elle n'en est pas. Et elle n'a pas demandé à l'être. Ensuite, de ce côté-là, je pense qu'elle a dit que oui, ce qu'on attendait d'elle, c'est qu'elle se mêle des combats où des filles sont abusées et tout ça. Et je pense que c'est de là part que le problème que Nathalie Koua a eu, ce que vous voulez, avec Serge. Parce qu'il y a une jeune fille au nom de Bonita qui a été abusée par un journaliste et il y a des faits qui sont sortis. Et oui, il attendait d'elle que vu que tu as subi la même chose, parce que la jeune fille également a été affichée,
il attendait d'elle que oui, vu que tu as subi la même chose, ça aurait été préférable qu'on voie une ancienne victime défendre la cause d'une victime actuelle. C'est ça le véritable problème qu'il y a entre Nathalie Kowa. C'est pas une affaire de 600 euros. Et ça encore, la personne qui nous taxe de ne pas comprendre le français, c'est elle qui l'a pas compris. Et nous ne cherchons plus à savoir ce qu'elle fait après, ça ne nous intéresse plus. Mais le fait de toujours amener ça, oui, orchestrer des vidéos pour me faire insulter, me comparer à cette personne, c'est pour ça que je vous ai dit non, je ne veux pas de ça. Je ne veux pas que ça devienne un problème personnel entre vous et moi. Je vous ai dit ce que j'avais à vous dire sur votre niveau intellectuel, parce qu'on apprend la langue française jusqu'en CM2. Dès que vous avez raté cela, vous avez raté après. Vous me dites que vous êtes ingénieur, vous n'avez pas besoin de la langue française. Non, vous vivez en France, vous semblez défendre le modèle de société français, vous semblez défendre les valeurs. Défendre le modèle de société, c'est société française ou société française? Parce que là, elle-même vient de faire une laquine, mais on ne l'a pas acculée pour ça, pour autant. Française, mais la première des choses, quand on veut vous donner la nationalité française, c'est de vérifier si vous savez parler la langue française. Connerie. Je pense qu'il y a quand même des Africains qui sont français, là, sur 181 personnes. Quand il dit que la première des choses qu'on veut vérifier, c'est si tu sais pas, c'est une grosse connerie, c'est pas un détail qui fait que voilà, si tu parles pas français, c'est pour autant qu'on va pas te donner. Il y a combien d'Arabes qui ont la nationalité française? Ça ne veut pas dire qu'ils s'expriment super bien en français. Il y a combien de Maliens ou, je sais pas moi, de Russes ou ce que vous voulez, qui ont la nationalité française? Ça ne veut pas dire que ce sont des flèches en français. Excusez-moi, c'est une grosse connerie. Et en cela, vous ne savez pas vous exprimer en français. Il n'y a pas de motif. Moi, je veux vous prendre ma fille du CM2. Le problème, c'est que là, elle dit encore une connerie. Serge ne savait pas s'exprimer en français et que c'était un critère avant de donner la nationalité. Comment ça se fait qu'il ait un passeport Bordeaux? Vous pouvez m'expliquer? Alors là, il y a une grosse connerie qui a été dite encore, une fois de plus. Parce que je vais pas prendre ma fille. Bonne question, Lily Pearl. Mamadou Gassama, il parle français? La première fille, ma fille a déjà le bac il y a 2 ans. Je ne vais pas vous la prendre parce qu'elle, c'est un autre niveau par rapport à vous. Je ne vais pas la prendre, je ne vais pas prendre mon fils. Je vous prends ma fille qui est en 5e. Et vous allez entendre comment elle s'exprime. Je suis exigeante de dessus. Je n'accepte pas qu'un enfant parle le français. Si vous êtes français, vous devez parler le français parfait. Il doit être parfait. Bien sûr. Laissez-nous, nous qui avons la nationalité camerounaise, faire du français ce qu'on veut. Mais quand vous avez obtenu la nationalité française, vous devez bien parler le français. Et c'est pour ça que je vous ai dit, je serai toujours exigeante vis-à-vis de vous. Quand on écrit, on peut faire des lapsus mémoriés, comme on dit souvent. Moi, je suis pas très doué avec les nouvelles technologies, surtout quand j'utilise les téléphones de mes enfants. Ils ont des téléphones... C'est ma fille qui me dit, moi, je suis un analphabète de l'informatique. Donc, il peut s'avérer que j'ai des fautes de frappe et tout. Mais quand j'écris, je prends la peine, surtout si je relis, de corriger. Et là-dessus, vous ne me valez pas. Je n'ai même pas besoin de débattre avec vous. Quand j'écris la langue française... J'ai d'abord un bac littéraire, j'ai fait des études de marketing où on apprend à bien s'exprimer, j'ai fait des études de droit où l'éloquence est la base, donc vous ne pouvez pas, je n'ai même pas besoin de débat, il n'y a pas de débat. Okay. Donc laissez ceux qui ont qualité, allez demander à un agrégé comment s'exprime Malène Envoutou, quel est son niveau, quelle est sa pertinence, allez demander à un agrégé, il va vous répondre. Ou bien allez demander à votre ami Onanguini ce qu'il pense de moi. D'accord. Quand j'ai dit cela, je dis que malheureusement, je suis obligée de vous faire des vidéos parce que ce n'est que ça que vous comprenez. Mm-hmm. Parce que quand moi j'écris, j'ai toujours tendance à trop intellectualiser. Je ne sais pas trop descendre du niveau comme vous. Je ne sais pas. Bon, Sergio Anango, c'est ton droit. Je t'ai dit, tu lui dois 600 euros. Tu dois la réhabiliter. C'est ton droit. Moi, je m'exprime. Je suis dans mon salon. Je m'exprime. Je ne suis pas. Moi, j'ai souvent regardé. Valérie Amourouquet est en train de nous regarder et qui dit qu'elle est d'accord avec Marlène. Il me semble très bien que toi également, tu es une autre star de Facebook qui fait des directs. Et toi, ton français non plus, il n'est pas fameux. Hein. Donc, quand tu dis que tu es d'accord avec elle, on va pas aller loin. On va essayer de retrouver une de tes vidéos. Et on verra bien si toi, tu es capable aussi. On verra bien. Parce que si on veut s'attarder sur comment Marlène décrit le français,
Normalement, tu n'as même pas qualité, en fait, à parler. Toi par contre, tu devrais être interdite de parler. Donc, c'est pas parce que elle a raison, je suis d'accord, tu supportes le fait qu'elle ait raison, mais si on s'accorde sur ce qu'elle dit, toi, normalement, tu n'as même pas qualité, tu n'as pas droit de parler. Marlène est belle, ce que tu veux, on n'a jamais dit que Marlène était laide. Donc, voilà le problème. Voilà, en fait, les Camerounais, quand ils viennent défendre une cause, ils défendent toujours de manière stupide. C'est ça le problème. Valérie Amougou, toi, on va pas aller trop loin. Toi, quand tu t'exprimes en français, tu t'exprimes en français en même temps en béchi. Mais si on veut suivre le raisonnement de Valérie Amougou, je veux dire, si on veut suivre le raisonnement de Marlène et vous tous, je suis désolée, toi, t'as pas le droit de parler. Tu t'exprimes très mal. À toi la victoire. Ouais, je pense que c'est toi là. Si je suis juste devant YouTube. De lumière, je suis juste devant YouTube. On va monter, on va aller vite parce que moi tu m'intéresses pas du tout. Ça donc voilà, on va y aller. On si appelle je... ça le tribunal du net place. Voilà, public. Déjà on dit tribunal, T-R-I, on dit pas le tribunal, on dit tribunal. Moi. D'accord. On appelle ça le tribunal du net place public. J'ai quand même encore les... Malgré que les sens sont tombés. Hein, voilà. C'est encore là. C'est encore là, maman. Exactement. Donc... Marie, la star. Heureusement qu'il y a beaucoup de PDG. Voilà. Donc, moi, je ne veux même pas continuer. Mais, Marlène, docteur Marlène qui dit que... docteur Marlène qui dit que... Les Bamilékés sont comment dire, l'espèce par excellence qui a un problème avec la langue française. Je suis désolée, ma Valérie Amougou, tu n'es pas Bamiléké et tu viens juste de la contredire. Tu viens juste de prouver que ce n'est pas les Bamilékés qui ont un problème avec la langue française, d'abord. Donc là, voilà. En plus, tu dis que tu adores le docteur Marlène. Je comprends que tu l'adores parce que c'est ta sœur. Je vais dire boulou, ce que tu veux. Tu es juste quelqu'un qui, voilà, qui aime sa tribu. On va dire, vous êtes quota ou ce que tu veux par rapport à tribu. Mais voilà, ce qui me plaît, c'est que tu assures et tu assumes que tu es une illettrée. Et donc, selon Marlène, les illettrés n'ont pas le droit de parler. Donc, en gros, tu fermes ta gueule, Valérie Amougou, je suis désolée. Donc, si tu es intéressée, tu viens sur mon direct, il n'y a pas de souci. Vas-y, comme tout le monde, tu suis. Ça, c'est nickel, moi, je ne te chasse pas, d'accord? Mais quand tu dis que tu es d'accord avec quelqu'un qui dit que les gens n'ont pas le droit de parole, ça veut dire que les mêmes gens dont elle cite les caractéristiques, toi également, tu n'as pas le droit de parole. Normalement, tu dois la fermer, je suis désolée. Et personne n'a dit que Marlène était laide. Jusqu'ici, je ne l'ai pas insultée. Je ne lui ai pas dit qu'elle était laide ou quoi que ce soit. Et je ne suis pas en train de t'interdire de l'adorer ou de quoi que ce soit. C'est ton droit. Tu as le droit d'adorer Marlène, d'adorer qui tu veux et de détester qui tu veux. Ça, c'est ton droit. Donc, c'est pas mon problème. Moi, j'ai juste un problème avec le fait que tu dis « Ouais, tu l'adores et que ce qu'elle dit est vrai. » Sauf qu'elle raconte des conneries. Si le français était un détail, je sais pas moi, crucial au point où si tu fais la moindre faute, t'as pas le passeport. Excuse-moi, je vois, il y a Serge qui a son passeport. Il y a le petit frère de Serge qui a son passeport. Je connais plein de gens qui ont le passeport. Il y a Fleur de Lille qui a son passeport. Tout le monde, je sais pas moi, ça veut dire que les Français, ils ont, et c'est les Français qui ont donné le passeport Bordeaux aux Camerounais que je viens de citer. Donc tu veux dire que les Français eux-mêmes n'ont pas réussi à juger à jauger le français de ceux à qui ils donnent le passeport. Tu es sérieuse là? Donc franchement, je veux bien que tu viennes faire ta fanatique qui supporte Marlène et sa beauté et tout ce que tu veux, c'est ton droit. Mais de grâce, quand on parle quand même, comme Marlène a dit, d'intelligence, toi-même tu viens de dire que t'es une illettrée, donc rajoute pas, ok? Je te contente juste de suivre, d'accord? On va te laisser et puis on va continuer parce qu'à la base, tu m'intéresses pas du tout. J'ai des photos, hein, parce que moi je parle toujours avec preuve. Quand cette personne va à la radio, elle lit une tablette avant de s'exprimer. Elle est en train de lire. Moi je ne lis pas. Je vous dis ce qui sort de ma tête. Autre chose, elle dit quoi? Elle dit quand Nathalie Koa va à la radio, elle est toujours en train de lire et de lire un discours. Ok? Déjà, je ne vois pas en quoi c'est un crime. Si elle, le docteur Malène, peut s'exprimer devant les médias sans lire de discours, je suis contente pour elle.
Comme vous l'aurez remarqué, moi également, je fais que raconter ma vie. Là, il est minuit 28. Et je n'ai pas non plus besoin de discours. Il y a des gens qui sont juste à l'aise devant les caméras ou alors devant le public et qui n'ont pas besoin de discours et d'autres pas. D'accord? Et voilà. Et Nathalie Koa fait juste partie des personnes déjà qui n'ont pas fréquenté, qui, avant de dire quelque chose, ils essayent d'écrire ce qu'ils doivent dire. C'est-à-dire d'essayer de peser, de corriger le discours et tout. Et donc, moi, je préfère cette méthodologie-là. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a envie d'apprendre. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne veut pas exposer ses lacunes. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait tout pour... Et voilà, moi, j'apprécie cette méthodologie-là. Je préfère quelqu'un qui écrit un discours qui tient la route, qui est cohérent et qui le lit, que de quelqu'un qui va venir raconter des conneries et qui ne lit pas son discours et qui divague en fait. Et qui dans une phrase, au début de sa phrase dit quelque chose et à la fin de sa phrase dit autre chose, d'accord? Donc de ce côté-là, voilà. Bon, on continue. Et voilà, si on veut parler, si elle veut comparer franchement ce côté-là de Nathalie Koa qui lit des discours, même notre cher président de la République, quand il fait ses discours de fin d'année ou 11 février, il a un papier qu'il lit. Est-ce que ça veut pour autant dire que c'est un illettré autant que Nathalie Koa? Dites-moi. Je suis désolée. Vous voyez que le docteur Marlène, elle seule dit quelque chose et son contraire. Il y a des gens qui ne sont pas à l'aise, qui n'arrivent pas à s'exprimer de manière, je ne sais pas moi, facile ou éloquente, ce que vous voulez, devant la caméra ou devant plusieurs personnes. Et il y a d'autres qui le font assez aisément. Donc voilà, il y a des gens comme ça. Ça ne veut pas dire que parce que quelqu'un écrit son discours ou lit son discours, ça veut dire que cette personne a un problème. Moi, je préfère quelqu'un qui écrit son discours, rectifie son discours et tout ça, et qui finalement nous pond quelque chose qui est beau à écouter, qui a du sens, qui est cohérent, que de quelqu'un qui vient faire montre, je ne sais pas moi, d'une intelligence qu'il n'a pas. D'accord? Quand je suis invitée, je n'écris pas ce que je suis en train de lire, non. Je ne lis pas ce que j'ai écrit. Normalement, tu devrais. Je dis ce qui sort. Et on n'intervient pas sur les mêmes sujets. On n'intervient pas sur les mêmes sujets. On ne parle pas de la même chose. Quand vous êtes dans un débat avec des hommes sur un plateau, et à des fois, vous n'êtes pas posé. Moi, je ne l'ai jamais vu dans un débat. Moi, je n'ai jamais vu... Mais c'est normal. Tu ne peux pas être la même personne qui dit qu'on ne la voit pas ici parce qu'elle est illettrée. Et après, tu veux l'attendre sur un débat. Tu veux qu'elle vienne faire quoi sur un débat? Tu veux qu'elle vienne faire quoi sur un débat? Elle n'a pas fait d'école. Elle n'a pas le droit que tu as. Elle n'a pas fait une licence ou je ne sais pas trop quoi. Mais pourquoi est-ce que tu veux la voir dans un débat alors que ce n'est pas son domaine de définition? Quand même, tu ne peux pas être la même personne qui dit qu'on l'attend quelque part. Et finalement, toi-même, tu dis qu'elle est illettrée. Et finalement, tu l'attends sur un débat. Tu veux l'attendre sur un débat. Tu veux qu'elle débatte de quoi? De politique? Tout ce qu'elle connaît de la politique, c'est les hommes politiques avec qui elle était. Tout ce qu'elle connaît du foot, c'est des hommes, les footeux avec qui elle était. Qu'est-ce que tu veux qu'elle ait à foutre de venir débattre? C'est pas pareil. Vous n'avez pas fait les mêmes études. Donc oui, il n'y a vraiment pas matière à comparer. Pourquoi est-ce que vous voulez qu'elle vienne débattre? Je sais pas. Tu veux qu'elle vienne débattre de quoi? De droit? De quoi? Tu veux qu'elle vienne débattre de quoi? Bref. La prostituée reconvertie dans un débat? Non, pas du tout. Voilà. Si c'est pour faire des monologues, je peux faire un monologue. Je peux inviter quelqu'un à faire un monologue. Vous avez dit hier qu'on paye pour passer à la télé. Moi, j'ai été invité près de 5 fois par Thierry Ngongan. Je ne sais pas combien vous pouvez donner à Thierry Ngongan pour passer dans son émission. Je ne sais pas combien vous pouvez payer à Thierry Ngongan pour passer dans ses émissions. Quand il faisait carte sur table, quand il faisait n'importe quoi, je ne pense pas. Ça veut dire que vous ne connaissez pas. Voilà. Maintenant, je vais lire les messages. Sergio Anango dit, le débat n'est pas sur les fautes, on s'en fout. Non, on s'en fout pas, Serge. La première des choses, c'est pour ça qu'on commence par le primaire. Bon, voilà, je t'invite. Ajouter. Hein? Je vois que tu veux intervenir. Je t'ai ajouté. Il faut intervenir. Donc là, de ce côté-là, moi, je vais un peu avancer parce que voilà, je ne sais pas pourquoi tu n'interviens pas. Je t'ai ajouté parce que j'ai vu que tu as envoyé une invitation pour être ajouté. Voilà. Donc bonjour, là, on va essayer d'avancer. Tu entends? Tu t'exprimes d'abord.
dire parce que vous voulez vous donner le droit de dire voilà. N'importe quoi sur le régime de Yaoundé. Non, si vous avez des diplômes, on veut des références. Parce que moi, depuis que j'ai cherché sur Internet, vous, je ne vois en nulle part que c'est Jean-Lango ingénieur. Bien. Donc, tant que vous ne me présentez donc, pas votre... Donc, c'est cette partie-là qui nous intéresse. Donc, elle a dit qu'elle a cherché sur Internet... Et qu'elle n'a pas vu, elle n'a pas vu des références de Serge qui disait, qui prouvait que il serait ingénieur, d'accord. Donc on va sortir de là. Et puis normalement, on va donner raison à Marlène, ok. On va donner raison à Marlène. On va dire qu'elle a cherché sur Google et elle n'a pas trouvé les références qui prouvaient que Serge il était ingénieur. Donc là. On va donner raison à Marlène. Serge n'est pas ingénieur et Google a raison. Donc j'espère que tout le monde me suit là. Parce que je vais en venir, je sais où je vais en venir. Donc là, on va sortir. Voilà. Donc si Google a raison et qu'elle est partie sur Google, elle a cherché, voilà. Comme elle a dit, on va revenir sur la vidéo. En attendant, je cherche quelque chose. Parce que moi aussi, je suis sur Google. Hein. Comme elle est partie sur Google chercher pour Serge, je me dis que normalement, si on va sur Marlène, on devrait trouver également qui elle est. Normalement, c'est pas compliqué. D'accord? Ok. Donc, nous tous, heureusement, grâce à Internet, on a tous accès à Google. Ok? Donc, voilà. Voilà des captures, des recherches que moi j'ai faites également aujourd'hui sur Google. Donc, on va apprécier ce que Google également dit d'elle. Et si elle estime que Google a raison, bah normalement Google aussi a raison en ce qui la concerne, d'accord? Bon, on va descendre. Bon, on revient sur l'audio. Et voilà ce qu'elle a dit. Diplôme d'ingénieur, je n'aurai plus aucune considération. Pour vous. Voilà, je suis sur Facebook. Voilà. La seule chose que j'ai, c'est voilà. C'est Jean-Lango a un profil Facebook. Je ne vois rien en rien. Voilà. People Clash, c'est Jean-Lango confie avoir été payé par Nathalie Nkoua. Voilà ça. C'est tout ce que j'ai sur vous. Hein. People Clash, c'est Jean-Lango confie avoir été payé par Nathalie Nkoua. C'est Jean-Lango YouTube. Voilà. C'est Jean-Lango, violeur, violeur, violeur et imposture des Camerounais. C'est ce que j'ai. Donc là, moi, sur Google, voilà ce que j'ai trouvé. Attendez. Parce que normalement, elle a donné raison à Google, normalement, nous tous, on devrait avoir raison là. Je suis d'accord. Qui est Marlène et Mvoutou? La question que de nombreux Camerounais se posent. Au fait, ce qui me rassure, c'est que tout à l'heure, elle a parlé du bled qui parlait de Serge. Donc, le même bled parle d'elle. Ça tombe bien. Donc, elle a cité des références et voilà. Les mêmes références parlent d'elle. Le bled.com vous dévoile ici un dossier biographique complet de la jeune dame de fer candidate déchue aux dernières élections de la Fédération camerounaise de football. Elle est au centre de plusieurs affaires scabreuses qui font bouger la toile et la planète du football. Sur sa page Facebook, des aveux de corruption de la quasi-totalité des membres de l'Assemblée Générale de la FECAFOOT, les montants et les noms de ceux qui ont perçu son argent pour lui accorder des faveurs dans le cadre du processus électoral. À cela vient se greffer une pléthore de procès en instance, trajectoire d'une vedette dont le déclin se dessine inéluctablement. Tout ce qu'elle touche est envoûté. C'est l'histoire d'une femme qui voulait bousculer les habitudes et rompre avec... Pardon, on va revenir, j'ai mal appuyé, voilà. C'est l'histoire d'une femme qui voulait bousculer les habitudes et rompre avec cette vieille tradition misogyne qui veut que les grands postes de responsabilité ne soient exclusivement que la chasse gardée des hommes. C'est aussi l'histoire d'une dame qui rêvait de succéder à Iya Mohamed au très prestigieux poste de président de la FECAFOOT. Voilà. Ensuite, c'est une première capture. On descend là. On va parler de ses mœurs. Voilà.
Attendez, parce que je ne vais pas non plus tout lire tout l'article. Et on va juste s'interroger à ce qui nous intéresse. Parce que franchement, si elle a cité comme référence le bled.com et que le bled.com aurait raison, normalement, le bled.com a également raison sur elle. Voilà. On est là. Voilà. En vérité, ceux qui la connaissent bien soutiennent qu'elle se sert de ses atouts physiques comme appât. Tout commence le 19 juin 2013, quelques secondes seulement après le verdict des élections qui consacre Iya Mohamed, président, Malène Patience et Vumtou. Verte de colère s'en prend à Pierre Batamak, le troisième vice-président de la FECAFOOT, à qui est dit avoir remis une importante somme d'argent dans la perspective de récolter des suffrages de la liste de IA. Le deal conclu, la candidate n'attendait plus que tout se déroule comme prévu afin qu'elle puisse enfin accéder au très sélectif bureau exécutif de la fédération. La présidente de la Ligue régionale du Sud ne constate l'entourloupe qu'après le scrutin, car personne de ses créanciers n'a respecté ses engagements dans la salle de vote. Donc là, le bled.com qualifie Marlène, le docteur que vous voulez, d'escroc. Voilà, on continue. Courroucée, elle va porter plainte contre plusieurs membres de l'Assemblée générale de la FECAFOOT pour escroquerie et abus de confiance aggravé. Résultat, le 20 juin, Pierre Batamak, Dieudonné Ngomsi, le président de la Ligue départementale de football du Konki à l'Ouest, Lambert Yodi, membre, bref, va sauter tout ça et tout ça. À l'issue de l'interrogatoire, tous vont avouer avoir perçu des sommes d'argent allant de 200 000 à 2 millions. Donc, notre cher docteur est une grande, mais grande agent de corruption. Donc, ça, c'est selon le bled. Donc, si Internet a raison sur Serge et ses sous, je pense qu'Internet a raison également sur elle. Elle va pas le démentir, je suis désolée. Hein? C'est elle, c'est le net, ok? C'est le net qui a dit. Donc, voilà. Donc, voici autre chose, je crois que j'ai lu également. Parce que là, c'est bien beau, d'accord? C'est bien beau de se lever le matin et de dire « Ouais, je suis sur Internet, je ne vois pas ci, je ne vois pas ça sur toi et tout ça. » On continue. « Tel père, telle fille. » Et pour étayer ses propos, elle cite des noms de ses collègues corrompus, les montants qu'ils ont dûment perçus et les témoins présents sur le lieu du crime au moment du deal. À commencer par Seydou Bombonjoya, à qui elle jure tel « J'ai remis 5 millions de francs le 18 juin à 1h du matin. » Déjà, écoutez les heures de conclusion d'affaires. Voilà. L'officier de police en chargé de ma sécurité était présent. Après, le premier vice-président de la FECAFOOT, Marlène Tacle, également le secrétaire général, qui aurait reçu 13 millions. Et là, elle ne parle pas d'investissement sur la provenance de fonds. Là, on ne voit pas bien qu'il faut investir sur la provenance de ces fonds-là, par contre. D'accord? Là, on ne voit pas. C'est bien. Il faut juste s'interroger sur la provenance des fonds des autres. Mais quand c'est ta provenance de fonds à toi, là, tu la ramènes moins. OK. Bref. On continue. Bref, il y a tout un article dédié à notre cher docteur sur la corruption et tout ça. Et là, voilà. Donc, le lien ou les photos ou ce que vous voulez, je vais le publier après. Donc là, tout le monde aussi peut aller sur Google. Donc, si notre cher docteur pense que aller sur Google, c'est suffisant pour avoir des informations sur les gens et qu'elle estime que, voilà, tout ce qu'elle trouve sur le net est vrai, c'est donc normal et logique qu'on estime que ce que Google dit également sur son compte, c'est fondé. Considération ce que vous dites. Vous n'êtes qu'un imposteur. Il faut arrêter l'imposture sur les réseaux sociaux. Voilà. Faut arrêter de parler de moi. Donc, de ce côté-là aussi, on va dire, cher docteur, on va dire que vous aussi, vous êtes une impostrice. Vous racontez des salades aux gens. Vous êtes quelqu'un qui raconte partout qu'on doit s'interroger sur les fonds
de commerce des gens, mais vous également, si on se réfère à ce que le Internet et tous les articles que vous citez pour acculer Serge Anango, si vous dites que les articles sont vrais, bah, il se trouve que les mêmes sources ont publié des choses à votre sujet et c'est également vrai. Et par rapport à ça, qu'est-ce que vous avez à dire? On continue. Et voilà, vous êtes un parent, vous éduquez des enfants, vous devez bien vous exprimer en français. Je ne parle pas des fautes que vous faites quand vous écrivez, parce que vous écrivez des non-sens, des choses qui n'ont même pas de sens. Je comprends que vous avez échappé à la mort en échappant à l'accident de... Lui, il écrit des choses qui n'ont pas de sens. Vous, vous dites des choses qui n'ont pas de sens. Quand vous voulez clamer l'innocence et parler d'abus de vieillard, vous également, de par ce commentaire-là, vous venez de crucifier quelqu'un qui travaille au président, à côté du président. Donc, lui, il dit des choses... Lui, il dit des choses qui selon vous, parce que ça, c'est selon vous, n'ont pas de sens. Et vous, vous dites des choses également à contresens. C'est-à-dire que vous dites quelque chose en amont et en aval, vous racontez des conneries. Et donc là, rien qu'avec cette vidéo qui a duré quoi, une trentaine de minutes, ça a été suffisant pour vous décrédibiliser. En amont, vous dites une chose, en aval, vous dites... Et là, ça ne s'est même pas terminé. On va continuer, vous faites que vous en pensez. Vous avez été suffisamment perturbé. Il faut voir un psychologue. Je pense que vous également, vous avez été perturbé. Vous êtes quand même quelqu'un dont le père est en prison. Vous avez quand même eu 4 enfants avec 4 hommes. Ça veut dire que vous avez eu 4 échecs, notamment amoureux dans votre vie. Et vous avez fait de la prison. Donc franchement, de ce côté-là, s'il y a quelqu'un qui doit consulter un psychologue, ben c'est bien vous. Moi, je sais que quand les gens qui ont raté la mort, à un moment donné, quand ils veulent vivre toutes les vies, vous ne pouvez pas être... Docteur en... Écoutez ça. Voilà ce qu'on va voilà où je voulais en venir et revenons à la définition du mot intellectuel qu'elle a dit. Au début de sa vidéo, elle a dit que selon le Larousse, une personne intellectuelle pouvait s'attarder sur les sujets de prostitution, d'économie et de politique à partir du moment où il utilise son cerveau et qu'il n'avait obligation de pratiquer. C'est-à-dire, s'il dit que la société est sale, il n'a pas obligation d'aller nettoyer les caniveaux de cette route-là ou construire un pont, d'accord? Donc, à partir du moment où elle a donné cette définition-là, où elle a précisé que la définition venait du Larousse, écoutez ça. Docteur en marketing, docteur en n'importe quoi, tout le monde est nul et c'est vous êtes tout le monde est con et vous êtes le plus intelligent. Tout le monde est idiot et vous êtes le plus intelligent alors que vous n'avez aucune référence. Moi, je cherche sur Google depuis, vous n'avez aucune référence, vous n'avez rien fait. Vous ne pouvez pas vous mettre au même niveau que Onangini. Vous ne pouvez pas vous mettre au même niveau que moi. Donc, j'ai dit que je refuse le mélange de genre de Facebook. Vous me présentez. Ben oui, Serge, on s'en fout. Viadeo est un site de rencontre. Bien. Donc là, elle a dit elle-même au début ce que c'était qu'un intellectuel. Serge, sur ses posts, sur son mur, il parle de prostitution, il parle de politique, il parle d'économie, il parle de saleté, il parle de tout. En gros, comme je disais, j'ai bien insisté au début de ce direct pour vous dire, écoutez bien la définition du direct. Parce que la définition du mot intellectuel, parce que la même personne qui a voulu nous faire croire que le dictionnaire avait raison et qui a donné les qualités de quelqu'un qui est intellectuel, j'ai bien fait le rapprochement avec tout ce que Serge fait sur son mur. Elle a dit l'intellectuel, la personne qui a des valeurs, qui défend des dignités et tout ça. Elle n'a pas vu un homme qui défendait une fille dont on a affiché les photos nues sur la toile. Elle n'a pas vu un homme qui défendait une fille dont on a pris le piment et on a mis dans ses fesses. Elle n'a pas vu un homme qui a défendu une fille qui a été abusée par un journaliste. Parce que la fille voulait un stage. Elle n'a pas vu tout ça, non. Elle se contente de dire, oui, tu ne peux pas être docteur en ceci, en cela et tout ça. En gros, elle revient avec les mêmes phrases débiles que tous les cons chaque jour qui viennent sur le mur de Serge lui disent, ouais, tu ne peux pas tout connaître et tout. Et pourtant, quand on se réfère à la définition du Larousse, franchement, elle m'a fait adorer le Larousse, mine de rien. Elle m'a fait adorer le Larousse, docteur. Elle dit que elle-même donne la définition du mot qu'elle a tiré dans le Larousse. Moi, j'ai fait le rapprochement en la personne de Serge. Et elle est la même personne qui dit, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas être sur tous les sujets. Pourtant, le même Larousse dit qu'un intellectuel, justement, c'est quelqu'un qui doit être sur tous les sujets.
Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a contradiction à ce niveau-là? C'est l'une des raisons. Quand j'ai fini, moi, d'écouter ce direct, c'est ça qui m'a le plus boosté. J'ai dit, il fallait que je fasse ma vidéo, il fallait que je réponde parce que j'en pouvais plus, quoi. J'en pouvais plus. J'ai dit, mais ça me fait trop rire. Ça me fait trop rire. Elle est la même personne qui dit, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Et elle est la même personne qui dit, oui, en tant qu'intellectuelle, nanani, tu dois faire ci, nanani, et tout ça. La même, le même docteur a dit, aujourd'hui, là on va maintenant parler d'aujourd'hui. Elle a dit, oui, il y a des faux profils qui viennent, qui m'insultent sur ta phrase et tout ça, avec des attaques personnelles. Elle a dit, elle serait un petit escroc usurpateur et tout ça, d'accord? Elle, voilà. Voilà exactement. Écoutez, vous allez voir, quand je vous dis, moi, franchement, quand je vous dis que la différence entre un intellectuel camerounais et un indigène est à peine perceptible, c'est quand j'ai vu ce... Voilà, c'est ce commentaire que j'ai vu. Voilà. Je vais vous faire voir avec moi ce commentaire-là. N'importe quoi, Anango. Pourquoi tu serres les fesses, enculé d'homme au foyer? C'est vrai que les enfants sont en vacances et tu dois t'en occuper. Mais pour 1 500 €, tu peux te bouger le cul, non? Magali paye déjà toutes les factures depuis que la boîte d'intérim ne t'appelle plus. Je te propose 1 mois de salaire, tu me conditionnes. Je sens que le crâne de ton père sous terre réclame déjà que tu viennes le sortir, petit escroc de bas étage. Donc, voilà le langage d'un intellectuel qui dit qu'elle est docteur, qui se permet de dire aux gens de homme d'enculé, homme foyer, je sais pas trop quoi. J'ai quand même envie de lui rappeler que il y a des, comme quand elle parle de référence, parce que moi, franchement, vous, chaque jour, vous êtes les premiers à dire oui, on fait l'apologie de Serge. Il est montré, il est descendu et tout ça. Non, attendez. Parce que là, ça commence à bien faire. Là, on va vraiment faire l'apologie de Serge. On va vraiment faire l'apologie de Serge. Elle voulait voir. Là, elle a... Attendez, il y a une dernière chose. C'est que la dame, elle a fait quoi? Elle a dit à Serge, tu poses ta carte d'étudiant et on va parier. Elle a parié 1 500 € et elle a eu sa carte d'étudiante. Sauf que là, après, qu'est-ce qu'elle est venue nous sortir comme exemple? Non, en fait, je vais vérifier ton nom. Elle a d'abord dit, oui, j'ai appelé Nantes. J'ai appelé Nantes pour vérifier si effectivement c'était toi ou pas. Ça, elle n'avait pas encore eu la carte d'étudiante. Bon, on se demande alors à quel moment elle a appelé Nantes si elle n'avait pas le véritable patronyme de la personne qu'elle voulait décrédibiliser. Déjà, on voit bien que c'est une menteuse. C'est un peu comme si quelqu'un vient me dire qu'aujourd'hui, il essayait d'appeler mon établissement pour essayer de vérifier si effectivement, oui ou non, je suis dans cet établissement ou pas. Et la personne sera allée vérifier si je suis dans cet établissement avec mon pseudonyme sur Facebook. C'était la -30 Bianca. Et maintenant, quand je publie mon passeport et qu'elle voit l'intégralité de mon nom, elle me dit, ah, maintenant que j'ai l'intégralité de ton nom, je vais rappeler l'école pour vérifier l'information. Ah, ah, vous êtes sérieux là? Tu es sérieuse là? Il n'y a pas un petit foutage de gueule quelque part qui est caché là? La même qui dit, ouais, on m'accuse d'attaque personnelle. Quand toi, tu viens sur le mur d'un homme et que tu viens lui dire espèce d'homme au foyer, patati, enculé d'homme et tout ça, c'est quelle expression ça, madame la docteure? Ben, du coup, tu laisses le libre choix et tu donnes raison à tous ceux qui te traitent de pute simplement parce que tu dis ne pas descendre au même niveau que les Camerounais, mais on voit très bien que quand tu sors de tes gonds, ou alors il suffit qu'on te titille un peu, ou bien qu'on te pousse à bout, ben effectivement, t'es aussi dans la merde qu'eux. Donc, quand tu viens de sortir les « je suis docteur, t'es pas qualité », finalement, les gars, à 233 personnes qui m'écoutent, quand quelqu'un va encore vous brandir le diplôme de « je suis docteur », vous devez la fermer. Envoyez-moi cet individu se faire foutre avec tout le respect et la cordialité du doctorat qu'il possède. D'accord? Vous lui dites, t'as ton doctorat? Oui, va te faire foutre cordialement. Vous rajoutez un cordialement à l'intérieur, en bas. Et vous verrez que cette même personne qui dit ne pas descendre dans la merde et tout ça, va vous traiter d'enculé comme notre cher docteur vient de faire. Elle disait, ouais,
Serge Onango, il n'a pas sa carte d'étudiant. Moi, voilà la carte d'étudiant là que j'ai en face de moi. Ça, c'est quand il était étudiant. Je pense que c'est bien. Il y a tous les détails là. Il y a même le code barre au cas où elle voudrait filmer et aller scanner. C'est bien écrit Université de Nantes. Donc, au cas où elle voudrait aller vérifier, je pense qu'elle a ce qu'il faut. Elle est la première personne à dire, oui, je pariais. Je parie 1500 euros que tu n'as jamais fait l'Université de Nantes. Et c'est bien écrit univnantes.fr là. Sauf s'il l'a fabriqué. Et en plus, tu dis usurpateur. Si Serge Onango était, était un usurpateur et qu'il aurait usurpé ses diplômes et qu'aujourd'hui il se retrouve en train de travailler dans des entreprises comme Alstom ou Bombardier, franchement, moi j'encourage tous les Camerounais à être usurpateurs. Je vous encourage. Allez tous être usurpateurs parce que si tu es usurpateur et que tu réussis à aller travailler dans une entreprise comme Alstom ou Bombardier et que tu es payé, ça veut dire que tu es intelligent. D'accord? Donc, c'est pas tout le monde qui dit qu'il usurpe les diplômes et qui va travailler dans les entreprises comme, et qui réussissent à appliquer quelque chose qu'ils n'ont jamais fait à l'école. Il n'y a que vous, les Camerounais, des abrutis qui passez votre temps à nier la vie des autres. Le docteur, soi-disant Marlène, elle est venue, elle a parié. Oh, je parie 1500 euros. Parce qu'elle a voulu nier la vie de quelqu'un. Oh, tu n'es pas ingénieur. Oh, tu n'es pas si. Alors que toi, on ne te connaît pas. On ne connaît pas ton mari. On s'en fout de ta famille. On s'en fout de tes diplômes. En réalité, on s'en fout de qui tu es. Mais personne n'a essayé de nier ta vie. Mais toi, tu viens nier la vie de quelqu'un. Tu viens nier la vie de quelqu'un. Tu n'es pas ingénieur, tu n'es pas allé à l'école, je parie 1500 euros. Je suis désolée de t'annoncer, tu lui dois 1500 euros. Voilà un accueil. Ça, c'est quand Serge commençait. Où il est où mon poste? Il a fait un poste où il commençait à GE General Electric, où on a publié carrément son nom. Il était bienvenu, welcome et tout. Donc là, vous voulez me dire que dans une entreprise, un peu comme si aujourd'hui, moi, je me lève, je me crée un diplôme d'ingénieur, parce que déjà, je suis nulle, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Je me crée un diplôme d'ingénieur sur Internet, et puis je m'en vais direct travailler à Chococam. Je dis que je maîtrise comment transformer le chocolat. Pourtant, je ne l'ai jamais fait de ma vie. Mais du jour au lendemain, je me réveille, bah, j'ai réussi à transformer le chocolat, et je suis payée. Et voilà, c'est ce que vous voulez. Donc en fait, vous voyez vous-même à quel point le docteur en question, elle divague. Elle raconte des conneries. Tu ne peux pas dire que quelqu'un usurper une identité ou alors usurper des diplômes veut dire que tu prends quelque chose et tu prends quelque chose ou des papiers, mais tu n'en as pas la connaissance. Or, il se trouve que quelqu'un dont tu accuses d'avoir usurpé les diplômes a finalement la connaissance et est même payé pour ce qu'il fait. Est-ce que là, on parle encore d'usurpation? Je suis désolée. Donc, tu veux me dire que le fait que quelqu'un se lève le matin, lise Internet, il sait refroidir une turbine, qu'est-ce qu'il m'avait raconté là, mécanique nucléaire, tous les termes qu'il emploie souvent là pour décrire son travail. Donc, quelqu'un peut se lever un matin, il lit ça sur Internet, et du jour au lendemain, il est employé à Alstom ou à General Electric. C'est ça que vous voulez me dire? Allô, vous m'écoutez là? Est-ce que c'est bon? C'est bon là? Parce que je vais bientôt couper mon direct aussi. C'est bon? J'ai mis tout le volume. Allô? Oui, là, j'ai mis tout le volume. Je crie même littéralement, là. Vous m'entendez pas? Ok, super. Bref. Donc, ce que je voulais dire, pour conclure, c'est que finalement, il suffit pas que quelqu'un vous brandisse un doctorat. Et ça veut dire que, voilà, la personne qui va dire quelque chose, il va falloir la fermer. Je vais vous donner une autre preuve. Voilà un autre docteur.
Écoutez-le. Il est censé être docteur en informatique. Dans un passé très récent. Dans un passé très récent. Pour nourrir une famille, un chef de famille avait besoin, je vais faire comme ça, 1000 francs. Pour s'acheter du pain, du riz, du poisson et peut-être de la viande. Au jour d'aujourd'hui, pour acheter ces mêmes éléments, on a besoin d'un peu plus de 1000 francs. Peut-être un montant supérieur, largement supérieur à 1000 francs. Alors, lorsque nous parlons du menu, nous avons présenté les éléments. Il s'agit ici de la technologie qui évolue. Nous étions dans l'ancienne technologie et les ordinateurs qui ont été remis aux étudiants contiennent la nouvelle technologie. Voilà vos docteurs. Alors, lorsque vous regardez ces éléments en termes de disque, parce que le débat tourne autour du disque, lorsque le disque dur, je vous l'ai dit tantôt, de nos jours, on ne s'intéresse plus à la capacité, capacité de stockage. Je vous dis qu'il est docteur, hein? Il est docteur en informatique. Dans le monde du cloud, le professeur Vudanzudo l'a si bien présenté. Nous sommes dans le monde du cloud. Et aujourd'hui, les disques durs qui sont utilisés sont tout simplement des disques système pour garder le système d'exploitation pour le bon fonctionnement de la machine et stocker temporairement les données. Le professeur Fouda l'a très bien dit. Maintenant, lorsque nous allons dans la nouvelle technologie, le débat, c'est 32 gigas, nous avons un disque dur qui est de 32 gigas. Nouvelle technologie, c'est SSD. L'ancienne technologie, c'est HDD. Lorsque vous allez regarder, j'ai parlé tout à l'heure. Même moi qui n'ai pas fait informatique, c'est que c'est une grosse connerie. Une carte mémoire SSD, c'est une mini carte mémoire qu'on met dans le téléphone. Et l'HDD, c'est le disque dur. Ça n'a rien à voir, c'est complètement... Et je vous dis, j'ai pas fait de doctorat en informatique, mais voilà un de vos docteurs. Et si on s'en réfère à ce que l'autre docteur a dit, mais s'il dit une connerie pareille, on doit accepter ce qu'il dit et on doit la fermer parce que voilà, il est docteur et on n'a pas qualité à contredire un docteur. Du menu, lorsque vous allez regarder les performances, que je vais donc appeler ici le menu, la durabilité, l'accès aux données, le temps des réponses, le refroidissement, le réchauffement du disque. Lorsque vous faites cette comparaison, vous regardez donc le disque de 32 gigas SSD, nouvelle technologie, et le disque HDD 500 gigas, ancienne technologie. Ces disques-là ont des qualités égales. C'est pour cela que nous parlons d'une équivalence. Il ne s'agit donc... Et voilà. Voilà donc vos docteurs qui vous expliquent que 32 gigas égale 500 gigas. Et en plus, le mec, parce qu'il dit SSD et HDD, il essaye d'abrutir les gens comme Valérie Amougui, qui sont pas partis à l'école. Et du coup, quand elle va entendre un truc comme SSD et HDD, son cœur va battre, elle va dire, oh, voilà un docteur en informatique. Pourtant, SSD, c'est juste une mini carte mémoire que tu fous dans ton téléphone. Et HDD, c'est un disque dur, pareil, mais c'est pour l'ordinateur. Donc, voilà, qu'est-ce que vous voulez? Donc, voilà le genre de docteur qu'on a, qui disent qu'ils sont docteurs. Et qu'est-ce que vous voulez? Donc, comme si on veut s'en... Oui, Valérie Amougou, je suis d'accord, tu parles mieux que lui. Ça, au moins, je te l'accorde, d'accord? Ça, au moins, je te l'accorde. Faut pas, je suis d'accord, faut pas les tuer tous. Donc là, si on veut s'en référer, en fait, à ce que le docteur Marlène a dit, à partir du moment où quelqu'un est docteur,
on doit la fermer. Peu importe les conneries que la personne raconte, on doit juste la fermer et dire oui, ça y est, t'es un docteur. Voilà donc les docteurs qui pullulent le Cameroun, ils sont nombreux. Ils sont nombreux à raconter des conneries et à brandir que voilà, ils sont des docteurs, ils ont fait doctorat en ceci ou doctorat en cela ou ce que vous voulez. Mais ils sont incapables d'être cohérents et voilà. Moi, j'ai dit, Malène a dit, le docteur Malène, elle a dit que la personne qui veut lui parler doit avoir un doctorat. Donc déjà, à mon direct, je m'attends même pas à ce qu'elle me réponde, c'est pas grave, on s'en fout. Et mon direct, c'est même pas fait pour elle, c'est pour les autres. Elle dit que voilà, il n'y a qu'un docteur qui doit être. Il n'y a qu'un docteur qui doit être en mesure. Il n'y a qu'un docteur qui doit être à même de critiquer un autre docteur. Ok. On va dire que. On est d'accord avec elle. Mais ils sont combien qui sont allés dire. Ils sont combien qui sont allés dire à ce monsieur qui racontait des phrases, qui racontait des conneries? Ils sont combien? Bref. Dans tous les cas, moi ce soir, c'est la vidéo de notre chère dame qui m'intéressait. Et j'ai répondu à cette vidéo parce que j'estime qu'il y a beaucoup de vies, énormément de vies, qui ont couru à leur perte parce que voilà, ils se sont retrouvés en face des personnes qui leur disaient t'as pas le droit de parler, ferme ta gueule. Il y a beaucoup de personnes comme ça qui ont perdu qui ont fait des choix au jour d'aujourd'hui qu'ils n'assument pas parce que ils ont eu devant eux des jeux. Et en plus on a toujours ce système traditionnel là au Cameroun. Quand le chef parle, tu fermes ta gueule. Quand le parent parle, tu fermes ta gueule. Quand tu es étudiant et que tu as un argument ou un avis contraire à celui du professeur, ça ne veut pas dire que tu remets en cause ou en doute ou en question l'intelligence du professeur. C'est que tu as des questions que tu souhaiterais élucider. Je ne vois pas pourquoi est-ce que quand on devrait approcher une personne qui semble supérieure à nous, on devrait le faire avec des révérences. Limite, on doit se courber et lécher le sol. Je suis désolée, si c'est comme ça, parce que autant elle dit qu'elle est docteur et qu'on doit la respecter comme telle, moi je discute avec mes professeurs, moi. J'échange avec mes professeurs à l'école et c'est des docteurs, encore plus docteurs qu'elle. Je suis désolée, c'est des Français qui ont poussé des études en économie, en géopolitique. Quand je prends la parole, j'argumente et je discute avec eux, mon point de vue les intéresse. Quitte à ce que quitte à ce qu'ils doivent me recadrer ou me dire que voilà, tu dois plutôt penser comme ça, fais comme ça, nani et tout ça, ça ne veut pas dire que mon point de vue ne les intéresse pas. Et en plus, quand je discute avec eux, je ne leur dis pas, oh, docteur tel. En plus, moi, mes enseignants, ils ont au moins 4 doctorats. Parce qu'ici, pour faire le doctorat, ça ne te prend pas 10 000 ans, quoi. Ici, il y a 23 ans, tu as déjà quelqu'un qui a fini l'école, il est en master, il est cadre dans une entreprise. Il n'y a qu'au Cameroun qui a 23 ans, tu vois, quelqu'un, il est encore en terminale. Ici, non, à 23 ans, t'es déjà pépère, quoi. Limite, t'as un master, si t'as rien fait, t'as un master et t'es cadre dans une entreprise. Donc, moi, mes docteurs, c'est des gens qui ont aligné des doctorats, des thèses, nanani et tout ça. Bref, ils ont énormément fait d'études. Et quand je m'adresse à eux, ils vont me dire, non, appelle-moi Jean, non, appelle-moi Louis, non, appelle-moi ceci. Non, j'étais même à un séminaire sur un docteur, il doit avoir maximum 28 ans, le mec. Il nous faisait un séminaire sur le cerveau. Je vais publier je vais publier la séance. Quand il m'a dit adresse-toi à moi, moi je disais vous, je le voyais, mais il m'a dit non, appelle-moi Benjamin. Alors, ça veut pas dire qu'il sait pas moi, c'est de doctorat, c'est son titre, mais voilà. Au Cameroun, on a ce complexe-là. Tu vas voir peut-être quelqu'un qui est ministre ou je sais pas moi, il est PDG dans une société, PD ce que vous voulez, travaille ici à un gros poste. Même les membres de sa famille, même s'il est le dernier petit frère de je ne sais quelle fratrie, même son aîné va courber les chines devant lui en disant « Ouais, ma grande, ouais, tonton, ouais, ceci. » Pourtant, à la base, qu'est-ce qu'on devrait respecter? Qu'est-ce qu'on devrait respecter à la base? On doit respecter une personne digne qui a des valeurs. On ne doit pas respecter les titres. Je veux dire, ça ne veut pas dire qu'on a manqué de respect au chef, au président, tout ce que vous voulez. Mais quand même, de là, faire des révérences, se courber, faire de la lèche,
Parce que voilà, tu as en face de toi quelqu'un qui est supposé être plus... Il y a pas, pour moi, il n'y a pas d'homme plus intelligent qu'une autre personne. Une autre personne, quelqu'un peut aller à l'école, mais il n'a pas la science infuse. À partir du moment où tu veux exprimer un point de vue et tu as des arguments, parce que là-dessus, je rejoins quand même le docteur. Elle a dit, la personne qui veut me contredire doit avoir des arguments. De ce côté-là, moi, je la rejoins. À partir du moment où tu as des arguments, où tu sais comment étayer tes arguments et comment expliquer ou exprimer ton point de vue, sans viser, je sais pas, sans virer aux attaques personnelles, parce que elle, c'est ce qu'elle disait, mais finalement, elle a viré sur les attaques personnelles, je suis désolée, du coup, elle encore se contredit. Mais à partir du moment où tu as des arguments et que tu as des idées que tu veux exprimer et tout, on n'a pas à te frustrer ou à te dire, parce que t'as pas de doctorat, ferme ta gueule. Je suis désolée. Donc, de ce côté-là, non. Moi, j'ai décortiqué un post du professeur Owonanguini sur mon mur. Je ne contredis en rien le fait qu'il soit professeur. Je ne contredis en rien le fait qu'il soit docteur. Mais il avait fait un post où quasiment, s'il y a 200 personnes qui lisent ce post, il y a au moins 10 personnes qui vont comprendre ce qu'il essaye d'expliquer. Parce que en lui seul, il a ajouté les mots cropophile, cropophile, nanani et tout ça. Et effectivement, quelqu'un qui n'est pas allé à l'école ou alors qui ne sait pas utiliser un dictionnaire ne comprendrait même pas ce qu'il essaye de dire. Et la plupart des Camerounais, ils sont tous comme ça. Ils vont aller te dire, oui, le professeur Owonanguini, il est fort, c'est un dieu. Parce que le professeur en question a juste utilisé les mots, des termes du dictionnaire que lui, il ne connaissait pas. Du coup, moi, si je me lève demain, j'utilise des mots qu'un individu en face de moi n'a jamais vu ou jamais lu parce qu'il n'ouvre jamais son dictionnaire, il va estimer que je suis intelligente. Et c'est ça, c'est le crédit que vous accordez aux gens. Parce qu'ils vous racontent des conneries, ils vous alignent tous les mots du dictionnaire que vous avez jamais lu et du coup, vous leur accordez une intelligence. Moi, j'ai pris ce discours-là. J'ai pris mon dictionnaire en toute humilité. J'ai pris tous les mots difficiles ou alors que j'estimais difficiles que les gens ne pouvaient pas comprendre et j'ai donné la définition selon le dictionnaire. Du coup, à partir de la définition des mots du dictionnaire, il se trouve que le discours en question, il était borné d'incompréhension et de stupidité. C'est-à-dire que dans une seule phrase, il avait aligné et quelque chose et une phrase et son contraire. Et on dirait en fait que c'est la particularité des docteurs parce que quand tu vois le docteur Marlène s'exprimer ou le docteur Owonanguini, mais ils se qualifient pas ça. Ils estiment parler le gros français et ils estiment que voilà, ils ont la méthode, la grandiloquence et tout ce que tu veux. Mais oui, cher docteur, il y a une différence entre l'esthétique, c'est-à-dire utiliser le beau pour, je sais pas moi, parce que oui, les métiers comme le commerce ou le droit ou même les lettres, c'est des disciplines où on apprend à défendre son point de vue, où on apprend à étayer son point de vue pour captiver le public si on veut vendre quelque chose ou pour défendre un point de vue ou alors en ce qui concerne les avocats, pour essayer de convaincre un jury. C'est normal que tu utilises la langue française pour essayer de vendre la chose. C'est ça le but en fait. C'est ça le but. Donc oui, je suis d'accord que vous utilisez tout ça, mais en face des gens qui ne comprennent que dalle et qui ont peut-être la flemme d'ouvrir un dictionnaire et ils vont voir que vous avez aligné moutonisme ou c'est moutonnier, grégaire, tout ce que vous voulez et ils vont se dire, voilà, elle est intelligente, voilà, elle parle bien. Mais il suffit juste que la personne prend le dictionnaire, cherche ce que ça veut dire, mais la personne trouvera qu'en réalité, vous n'avez rien dit d'extraordinaire. Vous n'avez rien dit d'extraordinaire. Et c'est ce que j'ai fait avec le discours du professeur Owonanguini. Et du coup, tu n'as pas qualité pour parler du professeur Owonanguini, ce n'est pas ton camarade. Je suis d'accord, c'est pas mon camarade, on n'aurait jamais pu faire les bons ensemble. Mais qu'est-ce qui donne la capacité, qui me donne la capacité, moi, de répondre à quelqu'un comme ça? C'est parce que je vois un discours à la base que je ne comprends pas. Et je dis que à partir de moi, je suis quelqu'un que quand je ne comprends pas, je cherche à comprendre. Du coup, je prends mon dictionnaire, je cherche les mots difficiles, j'essaye de comprendre. Et oui, quand je ne comprends pas, je me pose des questions. Et c'est ce que j'ai fait avec son discours. J'ai pris tout son discours, j'ai relevé tout ce qui pouvait être mot difficile. Et oui, quand j'ai pris les définitions des dictionnaires, et puis j'ai remis maintenant les mots dans le même texte avec leurs synonymes, le texte, il n'avait plus aucun sens. Le texte, il n'avait plus aucun sens. Du coup,
Ben, c'est normal que tout le monde estime que le professeur Ouonangini, finalement, c'est un guignol. C'est normal. En fait, c'est vous, les professeurs, qui donnez la latitude aux gens qui ne sont pas docteurs de vous manquer de respect. Parce que oui, vous ne valorisez pas votre doctorat. Vous brandissez que vous avez le doctorat. Mais regardez, docteur Marlène, vous avez fait une vidéo de 34 minutes. En 34 minutes, vous avez dit énormément d'énormités. C'est-à-dire que vous avez commencé par la définition d'un intellectuel pour finalement critiquer quelqu'un qui semble rentrer dans toutes les définitions, toutes les qualificatifs du terme intellectuel. Donc oui, excusez-moi, c'est vous qui donnez le pont pour qu'on vous réponde. C'est vous. Vous estimez que vous êtes ici, vous êtes docteur, on ne peut pas vous parler, mais vous dites des choses que normalement, à partir du moment où le Camerounais lambda ne comprend pas, il ouvre son dictionnaire, il peut vous contredire sans avoir besoin d'être docteur ou d'avoir un doctorat, et c'est ce que je viens de faire. Je ne vous ai pas insulté. Je ne vous ai pas insulté. Quand vous dites qu'on ne comprend pas la langue française parce que la langue française serait peut-être une langue d'élu ou je sais pas trop quoi, il se trouve que vous-même, vous ne comprenez pas la langue française. C'est-à-dire que vous la comprenez, c'est-à-dire que vous avez un avis, une perception des choses qui est complètement dénuée de la réalité. Vous choisissez de comprendre selon que ça vous arrange. Vous ne comprenez pas en fait du point de vue général. Vous voyez une situation. Et pour vous, vous interprétez, la façon dont vous interprétez la chose, vous estimez que parce que vous êtes docteur, votre avis prime. Mais non, je suis désolée. Il y a une situation qui est là. Et en plus, je vais vous dire, vous avez fait droit. À partir du moment où vous êtes avocat, vous défendez une cause. En face de vous, il y a un autre avocat comme vous. Il peut vous contredire avec son avis à lui, alors que vous, vous estimez que vous avez raison. Et maintenant, c'est au jury de trancher. Donc, jusqu'à preuve de contraire, vous qui estimez que vous avez fait le droit, je vous réitère que votre position, elle n'est pas, comment dire, elle n'est pas infaillible. C'est vous qui donnez le pont pour qu'on vous réponde. Parce que vous dites des conneries. Vous dites énormément de conneries. Les gens qui vous répondent ne savent juste pas comment vous répondre. Ils ne savent juste pas comment vous répondre. Et ça, c'est comme la plupart des Camerounais. Ils finissent par les attaques personnelles du même type que vous, vous avez fait. Traiter les gens d'enculés, traiter les gens d'hommes au foyer, tout ce que vous voulez. C'est pas parce qu'un homme s'occupe de sa famille ou dresse la table que ses enfants mangent que ça fait de lui un faible. Je suis désolée. Et quand c'est encore vous-même qui dites des choses de pareilles énormités pour un docteur, oui, vous pouvez me croire, ça me fait mal. Ça me fait énormément mal. Ça me fait mal que oui, comme moi je vois. Et c'est pour ça que, comme exemple, il m'a suffi de trouver un autre docteur comme vous qui dit des conneries. Et je ne vous apprends pas ça. C'est pas moi qui veux vous apprendre la règle de l'exemple et de l'argument. À partir du moment où j'ai deux exemples qui réussissent à prouver une thèse, un argument que j'avance, je suis désolée, j'ai raison. Or, vous, vous n'avez pas raison. Vous avez dit que les gens qui n'ont pas de doctorat n'ont pas qualité à vous répondre parce qu'ils n'ont pas d'argument. Moi, je viens de le faire. Et j'espère que vous allez me contredire également par les arguments. Mais si vous venez également avec des attaques personnelles du type « Ouais, c'est une pute, elle n'a pas fréquenté, patati patata », vous êtes aussi pareil que la merde que vous critiquez. Vous êtes également pareil. Donc oui, ne vous étonnez pas que vous n'ayez pas de sympathie. Et oui, vous allez me dire que vous vous en foutez de la sympathie, on s'en fout, tout le monde s'en fout de la sympathie. Même Serge, je suis son mieux, quand il insulte les Camerounais, il ne cherche pas de la sympathie, je vous rassure. Mais écoutez, quand vous racontez des conneries, vous donnez les voies et moyens pour qu'on vous réponde. Et ça, même une coiffeuse qui est autodidacte et qui sait ouvrir un dictionnaire peut vous répondre. Eh oui, il suffit pas de dire que on prend votre nom, on vous insulte sur les réseaux du village, les réseaux sociaux du village. Oui, on vous insulte sur les réseaux sociaux du village. Ça, c'est ce qu'ils font. Moi, je vous ai contredit et c'était pas en vous insultant. J'ai juste pris ce que vous avez dit en amont et ce que vous avez dit en aval, mais il y avait une contradiction. Aussi simple que ça. Donc là, je vais m'arrêter pour ce soir. J'ai fait presque 2 heures de direct là. Sinon plus même. Je suis épuisée. Je suis fatiguée, je sortais du boulot, j'avais une réponse à donner et je l'ai fait. Donc la chère docteur Marlène qui a dit
et dit je parie et tout ça que Serge n'a pas son diplôme d'ingénieur. J'espère sincèrement que tu es quelqu'un de parole. Parce que là, ça va quand même faire une rentrée de 1 500 €. J'aimerais bien avoir une quote-part. Imagina, qu'est-ce que t'en penses? On se retrouve quelque part, on se sirote un bon Malibu au calme. Parce que c'est ça, les Camerounais. Vous niez la vie des autres. Vous voulez toujours parler de la vie des autres alors que vous avez vos vies. Vous traitez les gens de putes, de prostituées, tout ce que vous voulez. Vous donnez les lois de la morale. La loi camerounaise doit faire ci, la loi camerounaise doit faire ça. Et pourtant, vous, vous êtes également aussi flou. Vous êtes aussi flou que ce que vous critiquez. Vous êtes flou. Bon, oui, merci Yves de me rappeler par rapport à Ducamer. Et bien sûr, comme d'habitude, on a toujours les mouches qui suivent la merde. Donc là, je tiens quand même à rappeler à Ducamer que il y a un post sur le mur de du docteur Marlène qui disait quand même que Ducamer c'était un abruti qui passe son temps à harceler les gens sur Facebook. Voilà. Et donc, parce qu'il aurait vu la vidéo que j'ai décortiquée aujourd'hui, il a fait un direct pour dire « Oui, Marlène a lavé Serge, patati patata. » Ducamer, j'ai quand même envie de te rappeler que la chère Marlène, elle a donné un défi à Serge aujourd'hui. Tu publies ta carte d'étudiant, ensuite on vérifie. On a rendez-vous demain, tu me ramènes ton diplôme. Si tu as raison, je te donne 1 500 €. Serge, il a publié sa carte d'étudiant et du coup, on attend le rendez-vous demain. Donc, je ne vois pas en quoi elle... Yves, je suis avec toi. Hein. Franchement, là, tu discutes 500 €, mais moi, je suis en train de faire un direct. Je veux 700 €, je te dépasse, d'accord? Donc, je ne vois pas en quoi... Personnel, elle a dit, le docteur Malène, elle a dit un truc, elle a dit qu'elle avait réussi à décontenancer l'écrivain Kalis Beyala de la même façon en disant, oui, Kalis Beyala n'aurait pas fait d'études et elle a donné rendez-vous elle a donné un défi pareil à Kalis Beyala pour que cette dernière prouve ses diplômes, d'accord? Sauf que là, Kalis Beyala, c'est une blagueuse, Kalis Beyala, c'est une blagueuse. Moi, franchement, de ce qu'elle a écrit, j'estime qu'elle écrit bien, elle a une belle plume. Mais il y a plein de sujets sur lesquels moi, je ne suis pas d'accord avec elle et où j'ai eu le temps de la contredire là-dessus. Mais dis-toi bien que tout le monde ne s'appelle pas Kalis Beyala. Tu donnes rendez-vous à quelqu'un, il faudrait que tu assumes. Tu as dit que tu pariais 1 500 €. Tu as dit, pour que le pari soit valable, il faudrait que Serge il publie d'abord sa carte d'étudiant, ce qu'il a fait. Ensuite, a rajouté qu'il faudrait qu'il t'envoie son RIB. Je suis encore devant le poste. Il l'a fait. Voilà. Tu as dit, on se donne rendez-vous et tu viens avec qui tu veux. Je peux même déposer les 1 500 € dans ton compte avant. On va à Polytechnique. Après, je fais même un direct. Je fais un direct sur Facebook si j'ai tort. Il se trouve que tu ne t'attendais pas à ce que... Tu t'attendais pas à ce qu'il publie sa carte d'étudiant. Tu te disais qu'il allait fuir. Mais il n'a pas fui. Il est venu. Et il a publié sa carte d'étudiant. Et donc là, on t'attend, docteur Marlène, pour que demain tu verses les 1 500 €. Parce que vous avez rendez-vous demain. Tu dois aller à Polytech. Valider le diplôme d'ingénieur. Parce que là, tu as voulu nier. Tu valides tout ça. Et tu lui files son argent. Aussi simple que ça. Déjà, il me semble que la chère docteur qui disait que Serge n'est pas ingénieur et tout ça et qu'elle pariait 1 500 €, elle l'a bloqué. Donc je vois mal comment tu peux donner rendez-vous à quelqu'un et dire que voilà, tu lui donnes un défi et après dès qu'il relève le défi, tu bloques la personne sur Facebook. Là, il y a un souci. En tout cas, on verra bien comment ça va se passer demain. Donc, pour moi, en fait, je vous l'ai dit, Ducamer, c'est quelqu'un qui a, je sais pas, pour moi, Ducamer, il a un problème mental. Il n'est pas bien dans sa tête. Il est psychologiquement atteint. Il a des problèmes. C'est quelqu'un qui dort tout le temps sur le mur de Serge. Il est tout le temps en train de dire que Serge n'a pas de vie. Serge, il est tout le temps à la maison. Mais lui-même, sur son mur, il fait au moins 10 directs par jour. Serge, au moins, dans ses directs, on voit qu'il a des enfants dont il s'en occupe. Ducamer, il ne fout rien.
Il ne faut rien. Il dort sur le mur de Serge, il dort sur mon mur pour voir qui a lavé qui. Il est en quête de popularité, en quête de visibilité. Et là, pour le coup, il a couru, il a dit, ouais, Marlène, elle a lavé Serge. Sauf que la même Marlène a fait un post sur toi, du camère, pour t'insulter et dire que t'es quelqu'un de pas pertinent, t'es quelqu'un d'illettré et qu'elle comprend pas pourquoi tu la harcèles inbox. Donc, je sais pas pourquoi toi, tu n'as pas fait un direct pour dire que la même Marlène t'avait lavé. Donc oui, moi j'estime que de ce côté-là, il y a quelque chose qui va pas dans ta... Moi en fait, je n'en veux même pas du camel, je suis pas en mode de détester. C'est juste qu'il me fait trop rire. Il est toujours là pour rebondir. Ouais, c'est ça Warren Smith, tu as trouvé le mot, il est bipolaire. Il est bipolaire. Il est toujours là pour rebondir. Dès qu'il y a un truc qui se passe sur le mur de Serge, tu peux être sûr. Si ça a du vibes, tu peux être sûr que du camel, il va faire un direct là-dessus. Il n'a pas de vie. Il n'a pas de vie, du camer. C'est comme ça. Il n'a pas de vie. Bref. Ça, c'était mon mot de fin. Donc, on va revenir sur les intellectuels camerounais un autre jour. Parce que oui, on voit très bien que les intellectuels camerounais, si on comptait sur eux, vraiment, ça vaut pas la peine. Même Marlène a dit qu'il y a des vieillards qui prennent des décisions et qui sont pas capables de gérer leur libido. Ça, c'est Marlène qui a dit. C'est même pas moi. Donc, vous voyez qu'elle-même, elle me donne raison. Donc, les intellectuels camerounais, les dirigeants camerounais, tout ce qu'on a au Cameroun qui nous dirige là, c'est que de la merde. Donc, vous voyez, en plus, c'est ces mêmes personnes qu'on nous demande de respecter. Les personnes qui payent 20 millions pour étancher leur soif de sexe, putain. C'est ces mêmes personnes que vous voulez qu'on respecte. Les personnes qui disent 32 gigas égale 500 gigas, c'est ces personnes-là que vous voulez qu'on respecte. Bref, ça, ce sont vos intellectuels au Cameroun. C'est les intellectuels qui ont le doctorat et qu'il faudrait que vous respectiez. Parce que moi, je respecte toute personne, tout individu qui raisonne. Même si le raisonnement n'est pas du même avis que moi. Si tu viens pour m'attaquer sur mon physique, c'est-à-dire des attaques personnelles, je t'emmerde. Là, c'est différent, je te bloque. Il n'y a pas de souci. Mais si tu viens pour raisonner, parce que c'est pour ça que j'ai dit, il y a plein de trucs que le docteur Marlène disait où j'étais d'accord avec elle. J'ai liké ses commentaires et j'ai même fait un post où je disais qu'il y a plein de trucs où j'étais d'accord avec elle et également plein de trucs où franchement, oulala. Donc oui, le doctorat au Cameroun, franchement, quand quelqu'un vous dit qu'il est docteur et qu'il est camerounais, excusez-moi, mettez ça entre guillemets et vous regardez le raisonnement. Vous ne laissez pas influencer par le mot doctorat, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Moi, je suis dans un pays où, à partir du moment où tu raisonnes et que tu utilises ta tête, on ne veut pas savoir si tu es docteur ou pas. Je suis arrivée dans une structure, j'ai commencé au bas de l'échelle et aujourd'hui, je suis responsable. Je n'ai pas de doctorat. J'ai juste montré que j'étais capable d'assimiler, capable de reproduire ce qu'on m'a enseigné. La vie, c'est les facts, c'est les faits. C'est pas les papiers. D'accord? On s'en fout de ça. En plus, quand le docteur Marlène dit qu'elle a qualité à corriger un ingénieur, elle me fait trop rire. Elle est docteur en droit, elle ne s'occupe que des lettres. Un ingénieur, c'est quelqu'un comme Serge, c'est quelqu'un qui s'occupe des moteurs de tram, de train, turbine, nucléaire et tout ça. Qu'est-ce que quelqu'un qui manipule l'alphabet français peut donner, peut corriger à quelqu'un qui manipule autre chose, je veux dire, qui gère vraiment le quotidien de l'avancement technologique, quoi. Donc, à un moment, je veux bien qu'on soit d'accord que oui, tu veux qu'on t'appelle docteur, mais oh, du calme, il y a des domaines où tu n'es pas docteur. Il y a des domaines où tu n'es pas docteur. Tu n'es pas docteur en morale. Autant tu es parent, tu as des enfants, mais tu n'es pas docteur en morale parce que tu n'es pas un exemple non plus. Tu attends des autres qui soient des exemples de la société, mais toi non plus, tu n'es pas un exemple. Franchement, moi, j'aimerais pas, moi, te suivre comme exemple. Tu auras beau avoir ton doctorat, t'exprimer dans tout le français que tu veux. Je m'en bats les couilles, ça ne veut absolument rien dire pour moi. Absolument. Je préfère même. En plus, franchement, moi, je m'exprime en français, je m'exprime en anglais, je m'exprime en chinois, je m'exprime en espagnol. C'est les études que j'ai faites. Donc, quand tu veux parler du français, on se calme. C'est pas la seule langue qui existe. Donc, on se calme. Oh, on se calme. D'accord? Mais je préfère même encore un bamileke qui s'exprime bien en bouddha ou en baganté ou en ce que vous voulez et qui résonne. Je préfère une Valérie Amungu qui s'exprime en son français de mes têtes, comme elle dit souvent dans ses vidéos,
et qui raisonne. Au lieu d'avoir un docteur en face de moi qui me fait comprendre que voilà, j'ai pas le droit à la parole parce que la meuf, elle a le doctorat et blablabli et tout ce que vous voulez. Donc, c'est des conneries. C'est des conneries. Donc, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous suis reconnaissante de m'avoir suivie. Et je vous dis encore que ne vous laissez pas impressionner par les diplômes qu'on peut vous brandir et vous dire que voilà, ça veut rien dire ça. Au jour d'aujourd'hui, ça veut rien dire. La vie est faite de telle enseigne que tu sois allé à l'école ou pas, elle t'enseigne. Que tu le veuilles ou pas, elle t'enseigne. Que tu sois imbu de ta personne ou pas, la vie, d'une certaine manière, elle te donne toujours des leçons. Et malheureusement, ça, je l'ai appris. J'ai pas eu besoin d'être adulte quoi pour l'apprendre. Je l'ai appris malheureusement trop tôt. Il y a des enfants qui ont grandi comme ça. Malheureusement trop tôt, ils ont appris trop de leçons, un peu trop vite. Donc c'est comme ça. Du coup, j'ai pas besoin de doctorat, moi. D'accord? Allez, je vous souhaite une très bonne soirée. Et moi, je fais pas trop les directs sur cette page. Donc je fais juste les directs quand j'ai à dire. Comme aujourd'hui, j'avais à dire. Quand j'ai pas à dire, je me tais. Et je suis le maître, ok? Bon, je vous laisse. Taïdien, Yves, en chinois, on dit Taïdien en chinois. Vous dites au revoir, on dit Taïdien.